Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle masterclass de la Fédération française des échecs. C'est celle de niveau avancé. Nous sommes le 8 mai, mais pas de jour férié hein, pour les masterclass de la FFE. On aura continué quoi qu'il arrive, hein, lundi de Pâques, fête du travail, fête de la victoire. On espère que vous avez apprécié ce rythme de deux masterclass par semaine. Donc, ça a duré pendant 8 semaines et je ferai un petit point tout à l'heure. Alors, avant toute chose, si vous ne connaissez pas les règles du jeu d'échecs, n'hésitez pas à aller les apprendre avec les petites vidéos d'initiation qui se trouvent dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Alors, ce soir, notre invité est grand maître international depuis 1995. Il a été champion de France en 1992. Il est multiple champion de France par équipe, il est aussi multi-vainqueur de la Coupe de France. Il donne des cours d'échecs depuis 1988, il a proposé de nombreuses masterclass depuis 2016, et maintenant on arrive carrément à une centaine de masterclass que vous pouvez retrouver sur son site internet. Il a aussi fait des masterclass pendant les championnats de France adultes. Il s'agit du grand maître Manuel Apicella. Bonsoir Manuel. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle masterclass. Et merci de ta présence. Alors c'est bien de terminer ce cycle de masterclass de confinement avec un spécialiste des masterclass, hein, comme je disais dans l'introduction. T'en as fait beaucoup depuis 4 ans, Manuel. Ah oui. Là, on est dans une moyenne de deux par mois. Donc, bon, ça, il y a 4 ans, j'en faisais qu'une par mois. Mais là, maintenant, c'est deux par mois. Donc, ça fait, oui. Pas loin d'une centaine, à mon avis, effectivement. Hein. Impressionnant. Pour ceux qui veulent travailler bah encore plus, hein, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site de Manuel, on en parlera tout à l'heure. Donc un petit point sur toutes ces masterclass voilà, du confinement, donc on a démarré le 16 mars, hein, c'était le jour où le confinement a été annoncé, et la FFE avait tout petit peu anticipé, et 2-3 jours avant déjà prévu une masterclass le lundi 16 mars, c'était avec Sébastien Joye, et au total il y en a eu 16, donc 8 lundis, 8 vendredis, donc c'était pendant 8 semaines, donc 8 de niveau débutant intermédiaire, 8 de niveau avancé, au total ça fait plus de 35 heures de vidéo, à chaque fois il y avait au moins 4 exercices, donc c'est plus de 70 exercices aussi au total juste sur ces 2 mois-là. Rendez-vous compte que la FFE pendant 2 ans, le total de masterclass c'était justement 16, et là il y en a eu 16 en 2 mois. Voilà, donc le rythme a été vraiment accéléré. Donc vous vous retrouvez sur cette page tous les intervenants, hein, tous les intervenants aussi bien du lundi que du vendredi. Donc c'est Sébastien Join, hein, qui était mon acolyte pendant toute cette saison, depuis le mois de septembre, de la FFE, qui avait fait 2 lundis. On le retrouvera une dernière fois à la fin du mois de mai, le 29 mai, pour. La masterclass mensuelle, on peut appeler, de la FFE, même si maintenant on a un peu perdu le rythme, puisqu'on était passé à 2 par semaine. Et voilà, tous les intervenants, bah merci à tous, hein, c'était à chaque fois un plaisir d'échanger avec un nouvel intervenant, un nouvel entraîneur. Beaucoup de joueurs de l'équipe de France le vendredi, beaucoup de champions de France, voilà, un de plus avec Manuel, alors que je vois que c'est décalé, hop, je recentre. Ta présentation, hop, ta légende. Et donc, très très bien de terminer ce cycle avec toi, Manuel. Merci, merci. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer un petit peu, voir un peu l'introduction de cette masterclass, peut-être, voir un petit peu ce qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui. Alors le sommaire, effectivement, le sommaire de la soirée. Et donc tu nous as préparé un thème, Manuel, qui est les principes de jeu. Et aussi bien en début de partie, milieu de partie, fin de partie, les principes de jeu en général aux échecs. Et donc Les c'est. trois phases, dans les trois phases de jeu, effectivement, hein, ouverture, milieu de partie et finale. Je pense que bah, dans chaque phase de jeu, il y a des principes à respecter, ou pas d'ailleurs, hein, parce que parfois, bah, il faut aller en dehors des principes, mais en général, c'est mieux de les respecter. Et donc, il faut déjà les connaître pour pouvoir les respecter et pour pouvoir aussi éventuellement parfois aller contre eux. Parce que parfois, bah, les principes, il faut pas les respecter tout simplement parce qu'il y a des meilleurs coups à jouer. Alors On ça me verra, on va rappelle voir ça.
Ouais, ça me rappelle, c'est intéressant hein, que tu dises ça, que parfois il faut, on va voir des principes qu'il faut la plupart du temps essayer d'appliquer, mais parfois il faut aller les enfreindre. Et ça me rappelle cette phrase de Kasparov que j'avais entendue une fois qui m'avait, voilà, qui m'avait frappé. C'était, il disait que le plus important aux échecs, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit enfreindre justement les principes. Ça c'est, oui, on va dire que c'est un niveau au-dessus. On va Oui, dire que c'est un voilà, niveau haut au-dessus. niveau quoi. Voilà, Ouais. voilà. Déjà, si on arrive à bien connaître les principes et à les respecter, on va avoir un niveau de jeu correct. Après, si on va plus loin, effectivement, on montera encore plus de niveau probablement. Mais dans tous les cas, il faut connaître les principes. Ça, c'est Ouais, sinon on obligatoire. saura pas du tout si on est en train de les enfreindre ou pas, quoi. Voilà, exactement. Donc on y va tout de suite avec cette petite introduction. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'essaie de vérifier ce que ça donne sur l'écran. Hop, je descends un petit peu. Voilà. Alors un premier exemple hein, tout de suite parce que c'est toujours plus clair avec des exemples que beaucoup de phrases. Voilà un principe de milieu de partie. Ici, on a l'avantage d'espace. Alors, c'est pas évident hein, de voir comment on peut faire pour comprendre comment on a l'avantage d'espace. Alors, en général, c'est visuel, ça se voit. Alors ici, on a les noirs. Hein, on prend les noirs ici, donc c'est pas évident. Mais là, on joue avec les noirs, donc on voit la flèche d'ailleurs du cavalier. On a l'avantage d'espace. Comment on fait pour voir si on a l'avantage d'espace? Il y a un moyen, c'est de voir le nombre de cases qui sont contrôlées dans le camp adverse avec nos pions. En fait, ici, si on regarde bien, on a un pion en E5 qui contrôle deux cases en D4 et en F4, et un pion en A4 qui contrôle en B3. Donc on a trois cases contrôlées dans le camp adversaire, et lui, il a un pion en C4 qui contrôle deux cases dans notre camp. Donc, bon, on voit qu'on a un petit avantage d'espace par rapport à ça. Avantage d'espace qu'on va accentuer par le fait d'avancer un pion en F5 bientôt. Et donc, ça nous permettra de Viser encore protéger deux plus. nouvelles cases. Et parmi les principes de l'avantage d'espace, on n'échange pas les pièces. Donc là, on suit le principe en enlevant le cavalier et en ne l'échangeant pas. Alors, on n'échange pas les pièces, pourquoi? Parce que si on échange des pièces, eh ben on libère de l'espace à l'adversaire, tout simplement. Hein. Il y a une pièce de moins sur l'échiquier, donc il y a plus d'espace sur lequel évoluer. Voilà, alors c'était juste pour commencer avec un petit exemple. Désolé, on n'avait pas le grand échiquier pour celui-là, mais on l'aura pour tous les autres. C'est juste pour que ça vous donne une petite idée. Et on va vous montrer les principes. Voilà, on va commencer par le commencement, hein, avec les principes d'ouverture. Donc, Voilà, les principes de base vraiment, hein, d'ouverture ici, que les gens, enfin que les personnes confirmées connaissent déjà, hein, bien sûr, le développement vers le centre, le développement des cavaliers avant les fous, le roque rapide pour protéger le roi, évidemment, la dame ne doit pas sortir trop vite, et liaison des tours pour finir le développement. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur l'ouverture, très important. Si on veut pas faire trop d'erreurs dans l'ouverture, c'est ce qu'il faut suivre. Hein. Bien sûr, la fin du développement, ça c'est très important. Donc le roi à l'abri et les tours en liaison pour pouvoir à tout moment récupérer une colonne ouverte si jamais il y en a une. Voilà, principe d'ouverture assez rapide. Je pense que Parce tout le que monde voilà, ou comme tu disais, la plupart connaissent. Manuel, c'est vrai que c'est la masterclass de niveau avancé. Si on avait été lundi soir, des masterclass débutant intermédiaire, on aurait pu passer beaucoup plus de temps sur ces principes. Et d'ailleurs, on l'avait fait dans certaines masterclass du lundi soir. Mais là, pour le vendredi soir, on va pas revenir. Voilà, on va pas vous montrer, voilà, qu'il faut protéger le roi, qu'il faut pas sortir la dame. On va pas faire ça ce soir. Hein. Voilà, ce genre de choses. Donc, on va passer tout de suite à des principes beaucoup plus intéressants et utiles pour les joueurs qui sont en général en train de suivre la masterclass du vendredi. C'est les principes de milieu de partie. Voilà, le milieu de partie. Alors voilà, le milieu de partie, tout le monde va en jouer dans toutes les parties et on va être obligé de bien connaître un petit peu tous ces principes de milieu de partie. On connaît la paire de fous. Alors quand on a la paire de fous, l'adversaire ne l'a pas évidemment, hein, ça veut dire ça, hein, la paire de fous. Eh ben, on essaie d'ouvrir les lignes. Donc, ouvrir des lignes, c'est quoi? C'est échanger des pions, en fait. Échanger des pions pour libérer donc des diagonales pour les fous. La paire de fous, c'est, on va dire que un fou. Si on dit qu'un fou c'est 3 points, un cavalier aussi, eh ben deux fous, c'est 7 points. Donc, ça fait un point d'avance par rapport à un fou et un cavalier, par exemple. Donc,
Très important, par contre, les fous ont besoin, bien sûr, de diagonales ouvertes. Donc, on échange les pions. Alors, on a vu, après, l'avantage d'espace, l'exemple de tout à l'heure. Alors, quand on a l'avantage d'espace, on n'échange pas les pièces. Alors, évidemment, tous ces principes sont réversibles, on va dire, hein. Donc, quand l'adversaire a la paire de fous, on essaie de fermer le jeu, par exemple. Et quand l'adversaire a l'avantage d'espace, eh bien, on essaie d'échanger les pièces. Voilà, donc ça c'est d'un côté si on a l'avantage d'espace on échange les pièces, mais si on l'a pas, bien sûr, eh ben on les échange. Avantage de développement, là, ouverture de ligne, pourquoi? Pour jouer, par exemple, si le roi de l'adversaire est au centre, eh ben on peut l'attaquer. Si il a simplement pas fini son développement, ben, le fait d'ouvrir des lignes, ça va créer souvent des attaques, des menaces, et il n'aura peut-être pas le temps de se développer pour protéger les menaces. Donc, avantage de développement, ouverture des lignes, et inversement, si on est en manque de développement, on ferme le jeu. Voilà, roi adverse au centre, on ouvre les lignes, ça fait partie de l'avantage de développement, mais parfois, le roi adverse peut être au centre et on n'a pas forcément l'avantage de développement. Hein, c'est possible, hein, si on n'a pas développé les pièces simplement d'un côté. Il faudra quand même essayer d'ouvrir les lignes dans ces cas-là. Alors, un principe qu'on peut respecter dans le milieu de partie, qui arrive régulièrement, quand il y a une attaque sur une aile, c'est-à-dire un pion qui avance, par exemple un pion de deux cases, hein, qui avance, genre H4 ou G4, par exemple, on essaie de réagir au centre. C'est-à-dire, réaction au centre, ça veut dire avancer un pion au centre, peut-être un levier. Donc un levier, c'est une proposition d'échange de pions pour essayer d'ouvrir le jeu au centre. Le fait d'ouvrir le jeu au centre va permettre souvent d'affaiblir en fait le côté où le pion a avancé en fait. Donc ça va nous permettre d'obtenir de l'initiative au centre et donc de créer des menaces supplémentaires. Et donc peut-être que l'attaque à l'aile à ce moment-là ne sera pas très efficace. Si on veut attaquer normalement sur un côté l'échiquier, sur une aile, il faut avant tout fermer le centre. Hein, c'est ça que ça veut dire en fait. Si on attaque à l'aile, si l'adversaire attaque à l'aile, on réagit au centre, mais si on veut attaquer sur une aile, il faut mieux que le centre soit fermé ou au moins qu'on puisse le fermer facilement. Ouais. Voilà, donc à chaque fois, c'est vrai qu'on peut penser à la réciproque, hein, donc c'est très intéressant parce qu'on peut Oui. obtenir deux conseils d'un coup en fait avec ça, hein. C'est-à-dire, Voilà, d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, effectivement. Alors, principe contre un pion isolé, change des pièces mineures. Donc, quand il y a un pion isolé de l'adversaire, on essaie d'échanger les pièces mineures parce que un pion isolé, bon, un pion, c'est souvent un pion central, hein, dans le milieu de partie, un pion isolé, mais pas forcément, hein, ça peut être un autre pion, mais en milieu de partie, c'est souvent ça. En finale de pièces lourdes, normalement, le pion central va avoir beaucoup de mal à résister parce que il va y avoir l'attaque avec par exemple, les deux tours sur le pion et le pion, du coup, isolé se retrouvera cloué, en fait, derrière. Donc, souvent, il va y avoir un levier qui lui permettra de gagner. Après, le fait d'avoir des pièces mineures avec un pion isolé permet d'obtenir de l'initiative. Hein. C'est un peu l'idée en général du pion isolé, c'est l'ouverture des lignes pour les fous, l'avant-poste pour le cavalier, etc. Donc, si on joue contre un pion isolé, on échange les pièces mineures et inversement, bien sûr, quand on a le pion isolé, on ne les échange pas. Pas de cavalier au bord de l'échiquier, ça on sait, c'est Bien un connu principe ça, pas hein. Oui. Bien connu des joueurs de possible. club, hein. Le fameux cavalier Voilà. au bord, cavalier mort. Ouais. Alors, évidemment, c'est des principes qu'on va pas toujours respecter. Par exemple, le cavalier au bord de l'échiquier, parfois on va le mettre quand même parce que on va le ramener rapidement. Si, parce que le cavalier, comme il a un développement un peu spécial, il a besoin de faire des manœuvres souvent. Parfois, il a besoin de passer par le bord de l'échiquier pour revenir après vers le centre. Mais le but, c'est vraiment de pas le laisser sur le bord de l'échiquier, en fait, hein. Par contre, il peut y aller, évidemment, hein, mais Non, on nous toujours parle. en visant une autre case. Ouais, et à ce propos, on nous parle du cavalier Maxime Vaché-Lagrave. C'est vrai que récemment, Maxime Vaché-Lagrave a joué souvent des parties où il avait ses cavaliers au bord, notamment dans la Grünfeld, du cavalier A5, des choses comme ça. Et il a eu des soucis d'ailleurs, donc il n'a fait finalement qu'illustrer ce principe, malheureusement. Voilà.
Alors. Alors, le cavalier sur une case forte. Alors, une case forte, on sait ce que c'est normalement. Une case forte, c'est une case qui ne peut pas être contrôlée par un pion adverse. Le cavalier, c'est la meilleure pièce à amener sur une case forte parce que il va pas très vite, le cavalier, donc il a besoin de se rapprocher du camp de l'adversaire et il a besoin aussi d'une case stable. C'est sur lequel il pourra pas être attaqué. Alors évidemment, une case forte peut être utilisée par n'importe quelle pièce, hein, mais c'est mieux par un cavalier. Le cavalier sera mieux, par exemple, sur un avant-poste ou ce que j'appelle la case Kasparov. C'est pas vraiment une case forte. Tu connais la case Ah Kasparov, ben, Sylvain? et même dans le chat, il y a Franck qui dit cavalier H4, cavalier F5, par exemple, en parlant du Voilà. cavalier sur le bord. Et alors, C'est ben, je ça. crois qu'il arrive finalement sur la case Kasparov. Exactement, c'est ça la case Kasparov, c'est la case F5. Donc le cavalier qui attaque le roque sur la case G7, inversement avec les noirs ce serait la case F4. On peut amener aussi le cavalier sur l'aile dame, hein, sur la case C5 s'il y a un grand roque. Donc ce serait aussi une case Kasparov. Alors, je Case sais pas. Kasparov parce que Kasparov disait que quand il avait un cavalier sur cette case, c'est comme s'il avait un pion d'avance. Ben alors, ça fait Voilà. penser à la phrase de Stanitz sur les cavaliers en sixième rangée qui sont justement le Voilà. principe suivant. Exactement. Le cavalier sur la sixième rangée de Steinitz, effectivement. Donc c'est la meilleure case pour un cavalier en général, hein. Si en plus c'est une case forte et que le cavalier est protégé par un pion, alors là c'est extraordinaire. Le cavalier qui va attaquer dans tous les côtés, mais il va surtout très souvent gêner les tours parce que quand il est sur la sixième rangée, il va contrôler deux cases sur la huitième rangée et du coup les tours vont souvent être bloqués à cause de ça. Donc très fort le cavalier sur la sixième rangée, comme j'ai dû l'indiquer aussi la tour sur la septième rangée après. Hein. Oui. Évidemment, ça c'est extrêmement fort aussi. Il y avait un chapitre dessus dans le livre de mon système de Nimzowitsch, la tour sur la septième rangée. Alors, fermeture du jeu avec le cavalier contre le fou. Le cavalier préfère les positions fermées par rapport au fou qui, évidemment, a besoin de diagonale. Donc, inversement, si vous avez le fou contre le cavalier, il faut ouvrir le jeu, essayer d'échanger donc des pions pour essayer de ne pas bloquer le centre ou les autres côtés même de l'échiquier, hein, parce qu'il suffit d'avoir des pions bloqués pour que le fou soit lui-même bloqué, hein, sur la diagonale. Alors le duo de pions avec le pion de pointe, ça c'est par rapport à l'art de jeu les pions dans Hawksmoor, l'art de jeu les pions qui parlait du pion de pointe, le pion le plus avancé de la position, au milieu de partie, on essayera presque toujours de faire un duo de pions, c'est-à-dire d'amener un deuxième pion à côté pour aider les pions à avancer éventuellement. En général, on essaiera de l'avancer d'un côté ou de l'autre. Le duo de pions, plus il avance, plus il est fort. Ça, c'est vraiment un principe déjà un petit peu plus avancé dans les parties, mais qui est très important à connaître. Avantage matériel, échange de pièces. Donc ça, on le sait. Moins il y a de matériel sur l'échiquier, plus le matériel de différence a de l'importance. Donc on essaie d'échanger les pièces, pas les pions, hein, les pièces, vraiment. Donc cavalier, fou, tour, etc. Évidemment, les dames. Fou couleur opposée en présence des dames, attaque sur le roi. Ça, c'est des positions particulières avec des fous de couleur opposée. Quand il y a des dames sur l'échiquier, l'attaque sera beaucoup plus forte. Si le roi adverse est un peu plus affaibli, on peut avoir l'avantage simplement grâce à ça, parce que le fou adverse ne peut pas se défendre sur les cases de notre fou à nous, en fait. Donc très important, fou couleur opposée, ça peut arriver, hein, c'est des Ça positions arrive qui arrivent, souvent, oui. ouais, en présence des dames, hein, évidemment. Sinon, s'il n'y a pas les dames, en général, l'attaque est quand même beaucoup moins forte, même presque inexistante. Donc, avec les dames, principalement, on attaque le roi, et ici, finalement, la différence matérielle n'a pas beaucoup d'importance, hein, c'est vraiment le roi, Ça joue sur les La rois à fond, position du roi, voilà, la position du roi qui joue dans ce genre de situation. Voilà, fou de couleur opposée qui même des fois peut favoriser avec rue juste une ou deux tours accompagnées, ça peut même être violent parfois, même sans dame, s'il y a des tours Ouais. qui s'y mettent. Ouais.
Voilà, et alors on arrive finalement, alors désolé Alors. hein, pour cette introduction, alors que je vois qu'ils sont très en forme dans le chat parce qu'ils demandent quelle est la case Karpov, Ah. voilà, ça cite l'art de jouer les pions de Hans Kummer. L'art de jouer les pions, oui, très bon livre, exactement. Oui. Voilà, et donc désolé pour cette petite introduction, mais après vous allez avoir bien sûr plein plein de positions avec les applications hein, de tous ces principes, et on termine cette Ouais. présentation, Manuel, avec les principes de finale. Les principes de finale, et oui, il y a les trois phases de jeu, hein, donc il y a des principes dans les trois phases de jeu. Donc la tour sur la cité à manger, on en a parlé. C'est vrai que dans le milieu de partie, c'est quand même assez rare, hein, la tour sur la cité à manger, donc on va plutôt l'obtenir en finale. Le pion candidat en avant. Alors qu'est-ce que c'est le pion candidat? Le pion candidat, c'est le pion qui n'a pas d'opposant devant lui. Donc il n'y a pas de pion devant lui. C'est pas un pion passé, hein. C'est pas un pion passé. Il y a quand même un pion qui va le gêner, mais c'est le pion candidat. C'est toujours dans l'art de jouer les pions, hein. C'est comme ça qu'il parlait de ce pion-là. Voilà. On l'avance avant les autres, en général, dans les finales. Alors ça, Activité. ouais, Ouais. ça Manuel, bah tu sais, il y a quelqu'un qui l'avait cité sur le chat avant même que cet écran apparaisse. Mais Ah alors, oui? il faut dire que je les ai houspillés avec le pion candidat depuis 2 mois là. Ils en ont mangé du pion candidat. Hein, donc ils peuvent plus se tromper là. C'est bon. D'accord. Le candidat en avant, Ouais, exactement. normalement Ouais. ils sont au courant, pour ceux qui étaient en tout cas Ah oui. des fidèles des masterclass de la fédération. Voilà. C'est ça. Ah oui, très important pour les finales. Activité des pièces, évidemment. Bon, ça, c'est le cas dans tous les compartiments du jeu, mais encore plus en finale, hein, l'activité des pièces est vraiment importante. En finale, on activera en priorité les pièces les plus fortes. Par exemple, en finale de dame, la dame. En finale de tour, la tour. Et en finale de foot, cavalier, eh ben, ce sera plutôt le roi, parce que en finale, le roi, il a une force, on peut dire une puissance de 4 points à peu près. Donc, il est un peu plus fort qu'un fou ou un Ah, cavalier. d'accord, tu le mets devant. Moi, je le mets devant le roi Ok. par rapport au fou et au cavalier. Donc, on va plutôt activer le roi par rapport à la pièce mineure, même si évidemment il faudra aussi Faire les deux, activer ouais. le faire les deux. Mais à mon avis, la centralisation du roi, voilà, c'est Ah, elle est juste la après. suite. La suite, la centralisation du roi, bien sûr, le roi qui va pas très vite. Donc, s'il veut pouvoir jouer bah, des deux côtés de l'échiquier, bah, il faut qu'il reste au milieu et qu'il choisisse par la suite l'aile vers laquelle il doit intervenir. En finale, majorité à l'aile dame, très important. Si vous voulez rentrer en finale, vous avez un pion d'avance sur l'aile opposée. Alors attention, aile opposée au roi adverse, donc ça peut être l'aile dame ou l'aile roi s'il y a eu un grand roque, hein, chez l'adversaire, bien sûr. On parlera évidemment plutôt de l'aile dame parce qu'il y a plus souvent un petit roque, mais c'est, on le dit en général, la majorité à l'aile dame. Et finalement, position inférieure, on échange le pion et réciproquement, évidemment. Donc, position inférieure, c'est pas forcément du matériel en moins, mais ça peut être un pion de moins, par exemple. Si on a un pion de moins, en finale, bon, ça peut être très embêtant d'avoir un pion de moins en finale. Pour pouvoir essayer d'obtenir la nulle, bah, il faut essayer d'échanger les pions au maximum. On sait que bah, s'il reste qu'un pion, bah, il y a bonne chance de faire nul à la fin, hein. Roi pion contre roi, il y a quand même pas mal de positions nulles, je crois. Qu'on avait étudié d'ailleurs lors d'un lundi soir, ainsi que des finales de tour, etc. Donc effectivement, avec un seul pion de moins, on peut s'en sortir. Alors bon, ben, Oui. Didier qui nous dit, est-ce qu'on va vraiment réviser tout ça? On en a pour toute la nuit. Eh ben oui, on va tout voir, exactement. Alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est que cette dernière masterclass dure 24 heures. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est toute la nuit, hein, C'est c'est. comme le marathon de la semaine dernière. Voilà, 24 heures. En fait, on vous met des positions, nous on va dormir, et après on revient et Le on matin, vérifie si vous avez trouvé. voilà, vous aurez les réponses au petit matin. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, on a effectivement du pain sur la planche, même si on va pas pouvoir tout développer, ni forcément pouvoir voir tous les principes. Mais en tout cas, vous avez vu le programme. On va voir plein de principes. Et voilà, on espère que ça va bien vous aider et bien vous plaire. Alors, on y va, Plein de on y va. positions à chercher aussi. Ouais, allez, on va commencer par les positions. Voilà, donc ici, on peut. Voilà, alors c'est la plupart de ces parties, pratiquement toutes, Manuel, sont des parties que tu as toi-même jouées. Ouais, la plupart, effectivement. Donc ici, on va aller au 19e coup des noirs. Ouais,
19, voilà. 19e coup des noirs, donc il y a eu... voilà, donc les blancs, les noirs viennent d'échanger apparemment le oui. cavalier en D4, voilà, c'est ça, le pion blanc va reprendre. Alors je vais juste en D4. Temporairement désactiver, de peur d'avoir un spoil. Ok, bon, ça, allez, c'était pas obligatoirement, spoil. Hein, c'est, ouais. le pion qui devait reprendre, je crois. Oui, ça marche. Parce que, voilà, si la dame reprenait, elle était perdue avec fou C5. Ah, c'est joli, ça, tiens, ça commence fort. La dame coincée, dès le début. La voilà. dame coincée, au milieu de l'échiquier. Dans notre première variante. Ouais. Elle est attrapée par la paire de fou dont tu parlais tout à l'heure. C'était coopératif quand oui. même. Oui. Alors c'est prend D4. Alors quel principe de jeu ici on va utiliser avec les noirs dans cette position? Si vous avez bien suivi, bon c'était un peu rapide, c'est sûr, hein, il y avait quand même beaucoup de choses à voir, mais bon je pense que vous avez déjà une certaine connaissance du jeu normalement. Quel est le principe qu'on va respecter ici et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors allez-y sur le chat, votre Alors. Première question. Que faire et à quel principe ça correspond? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça et je vais essayer de m'extraire le chat. Hop. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y en a qui ont commencé à comprendre un petit peu ce qui se passe. Exactement. Ouais. Voilà, le roi au centre. Le roi au centre. Donc, dans ces cas-là, quand on est à le roi au centre, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on y en a ouvre plusieurs, les lignes. Hein. Voilà, ouais. On ouvre les lignes, exactement. On ouvre les lignes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les lignes? Alors, il y a Tristan qui a proposé un coup. Henri également. Franck. Alors, Franck, il veut ouvrir avec G5. Alors, ça correspond à l'idée, en tout cas. Ça correspond à l'idée, c'est-à-dire échanger un pion pour ouvrir des lignes, effectivement. Mais est-ce que c'est vraiment l'endroit idéal pour ouvrir une ligne avec notre roi qui s'affaiblit? On fragilise notre propre roi en même temps. En plus, ça donne un pion quand même, hein, puisque s'il prend, bah, on peut pas le reprendre, le pion. Hein. Ouais, pour l'instant, il peut encaisser, ouais. Peut-être. Il peut simplement prendre le pion. Et puis, bon, c'est vrai que ça ouvre la tour, effectivement. Ouais, non, mais c'est en tout cas l'idée est pas mauvaise, mais peut-être que c'est l'idée pas est là, l'idée est là. Voilà, l'idée est là. On va évidemment, voilà, là c'est spammé. Oh là, ouais. Bah, t'as vu, mais voilà, tu fais connaissance avec le chat des masterclass. Hein, ouais, là c'est bon. Ils sont chauds là. Hein. Ils ont vu que c'était pas. Ils ont attendu un peu, t'as vu, ils sont malins. Ils mettent pas toujours leur coup au début et puis après. Ah, ils ont des lignes, ressentent, tout ça. Ouais, non, bien joué en tout cas, bien joué, bravo. Et il y a alors Nils qui se cache derrière le pseudo Alix, qui est un grand fidèle des masterclass de la fédération. Nils qui nous dit donc roi au centre et en plus paire de fous. Alors comme tu disais tout à l'heure, Manuel, c'est paire de fous, mais pour les deux joueurs là quand même. Donc là c'est pour les deux joueurs. Ouais, donc ça pourrait favoriser éventuellement les deux joueurs. Bon, peut-être que ça favoriserait plutôt l'attaquant pour le coup. Et, bah oui, parce que là le roi blanc est au centre, hein, donc c'est vraiment l'ouverture des lignes par rapport au manque de développement des blancs et par rapport aussi au roi au centre. Hein, donc on sait que quand le roi de l'adversaire est au centre, il faut ouvrir les lignes et en plus ici, bah, on a l'avantage de développement étant donné que bah, il a passé tour en liaison et que nous on les a, donc on ouvre d'autant plus les lignes. Alors effectivement, il y a la paire de fous, mais comme l'adversaire là aussi, c'est moins c'est moins l'idée, quoi, quand même. Ouais, c'est plus le roi. Plus vraiment, le, voilà, l'attaque sur le roi. Évidemment, c'est 5 qui va permettre donc d'échanger le pion D4. Donc là, l'échange est obligatoire puisque le pion D4 ne peut pas avancer, il est bloqué. Les noirs vont pouvoir prendre le pion et ensuite ramener leur fou sur la deuxième diagonale. On peut rapidement voir la fin de la partie si vous voulez. Les blancs se sont emparés du pion E6, puis on prend D4. Alors, il n'a pas voulu faire cette variante hein, avec fou C5, ouais. Un peu comme tout à l'heure. Alors, il perd pas la dame, hein, mais il avait des gros. Là, il y a une case, mais c'est, ouais, ça sent le sapin parce que. On peut noter que sur dame C3, il y a un coup terrible qui arrive sur lui. C'est la fourchette. Ouais, il perd au moins une tour. Ouais. Ouais, c'est horrible. Et les deux fous sont monstrueux. Ouais, les deux fous sont trop forts là. Ouais. Voilà, donc il a joué dame F3 simplement. Dame F3 pour essayer de fermer le jeu, mais on gagne un pion. Fou B4. B4. Il a pris ça. D5. Voilà, tour C8. On voit le roi au centre ici. Il se fait attaquer. Il est complètement bloqué. Hein. Ah, il peut pas. Il est cloué de partout.
Ouais, fou E4, et finalement, petite pointe finale, tour C3, voilà, le fou ne peut pas prendre la tour, sinon il est mat en deux coups, je crois, ou alors il perd la dame. Non, Ouais, il il est est mat. coincé. Ouais, il faut qu'il S'il sacrifie prend le la dame. fou, Ouais. si... ouais, non, mais même s'il prend le fou, il y a dame de mat directement. Ah, même, okay. Il Ouais. échappe même pas au mat. Il échappe Il même échappe pas. même Ouais. pas au mat. Ouais, non, c'est fini tout de suite. Ouais, tour C3, c'était Superbe. avec l'idée de tour E3 par la suite, qui allait certainement gagner au moins un fou. Wow, ouais, on peut Tour montrer peut-être ça. Là, on voit qu'il est E3. complètement coincé avec le fou. Le roi est coincé par le fou depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire petit roque depuis tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, le fou A6, très important pour empêcher le petit roque. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple simple, hein, on va dire, de roi au centre avec ouverture des lignes, mais qui arrive très souvent. Hein, ça arrive extrêmement souvent, hein, ce genre de situation où le rond est resté au centre. Il y avait une question de Lionel, est-ce qu'on pouvait prendre en Oui. B2 avant de faire C5? Prendre en B2 au lieu de faire C5, on pourrait, Peut-être qu'il oui, mais. va essayer de se cacher avec son roi et relier ses Ouais. tours. Ouais, Essayer de peut-être roi F2. s'abriter plus ou moins et peut-être amener ses tours en défense. Ouais. Exact, peut-être roi F2 avec l'idée de lier les tours et ensuite, quitte à peut-être à donner un pion Ouais, et il est mettre peut-être le pas roi à mieux que le pion. l'abri. Ouais, je pense que c'est. Voilà, il y a des choses plus importantes à faire que gagner un pion en fait. Ouais. Voilà, Là, vraiment, l'attaque sur le roi est essentielle. alors que Alban demande c'est quoi un duo de pions avec un pion de pointe, et je suppose qu'on verra au moins un exemple manuel. Ah bah par exemple ici on peut dire que le pion de pointe des noirs c'est le pion D5, donc le pion plus avancé, et le duo de pion bah c'est le coup C5, hein, Ah donc bah juste, ça tombe bien. ça fait aussi partie des principes, hein, le coup C5, puisqu'on arrive à faire notre duo de pion avec le pion de pointe, donc ça fait partie des principes du milieu de partie, Ok. donc voilà, on en a vu deux d'un coup. Ouais, bah ça marche. Bah, même, Ça oui, on a marche. déjà vu plusieurs d'un coup. Hein, ouais. Il y avait le problème de développement, il y avait le roi au centre. On Oui. a failli avoir la paire de fous, même si ce n'était pas tout à fait le cas. Failli. Et puis, ouais. Donc, non, mais des fois, on peut avoir 2, 3, 4 principes dans Bien une sûr. seule position. Ouais. Sur un seul coup. Ouais. Alors, on va. Alors, est-ce qu'on va aller ici Peut-être Ah ici. oui, au 19e coup, voilà, c'est ça. Les noirs vont jouer tour C8, apparemment. Voilà. Et ah, Ouais, d'accord, ok. c'est ça que je voulais vérifier. C'est ça, ok. Le petit, Ouais. ouais. Hop. Ok, donc ça, on va l'enlever. Ok, très bien, super. Allez, hop. Voilà la Bien vu, nouvelle bien vu. position. Ouais, exact. Donc là, justement, on est. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc là, tout le monde a roqué, tout le monde a lié les tours. Bon, les tours blanches ne sont pas liées, mais c'est la même chose. Peut-être que la tour des deux est prête à se doubler quelque part, ou alors à aller sur la colonne ouverte. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, ça, au blanc de jouer? Qu'est-ce qu'on peut suivre comme principe? Alors il y a Anduk qui nous parle des cases fortes en F6 et D6, donc il cherche le principe de la Ouais. case forte, hein, Casse je forte, pense. donc ouais, ce serait bien d'y amener un cavalier, mais est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Ça n'a pas l'air facile d'y aller quand même. Pas facile, ouais. Alors, il nous parle aussi de l'avantage d'espace. Alors bon, il faut trouver le bon principe. Hein. Ah, c'est pas évident, hein. Bah, Ouais. disons que là, c'est un principe de milieu de partie assez. C'est pas forcément basique, disons, mais c'est un principe qu'on va toujours essayer de faire vraiment dans les parties. Et ça, c'est très important. Très, très important. Donc avantage d'espace pour les blancs. Est-ce que oui, probablement. Oui, quand même le pion E5 au centre, plus avancé. Très haut blanc, Hervé. Très au blanc, très au blanc. Les noirs viennent de jouer tour C8. Alors, Etta nous dit le pion de pointe. Pion de pointe, oui, le pion de pointe. Où est-il le pion de pointe? Alors, est-ce que vous le repérez? Allez, le pion de pointe. Où est-ce qu'il est? C'est vrai que ça c'est essentiel dans une partie, surtout dans une position un peu fermée où il y a une chaîne de pions. C'est très souvent là-dessus qu'on va jouer. Ouais, ça me fait penser à l'Est indienne. Ouais. Là, c'est une structure de française, oui. Le pion de pointe en E5, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le pion de pointe en général? Donc on l'avait dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez retenu?
Qu'est-ce qu'on fait avec un pion de pointe? Attention, Simon, si tu fais ça, le cavalier noir va bondir sur E4. Cavalier proposé, cavalier prend B5, suivi de D4. Ah oui, les cavaliers, ça donne une casse forte à l'adversaire. Ouais. Voilà, donc effectivement, on veut créer le duo de pions. Voilà, Exact. le duo de pions, exact, hein. Donc on veut avancer notre pion F4 en F5, ce qui n'est pas possible dans l'immédiat, donc on va amener ce qu'on appelle un acolyte. Et donc c'était proposé par certains, hein, G4, bien Ouais, joué. je crois que ça a Ouais. été proposé. Voilà, G4, exactement. G4 pour pouvoir faire F5. On voit que la case maintenant est suffisamment contrôlée par les blancs. Et après l'échange des pions F5, il y aura à nouveau un duo de pions. Et si jamais les noirs reprennent encore ce pion, le cavalier va prendre et à ce moment-là pourra accéder à la fameuse case forte en D6, hein, qui était convoitée tout à l'heure, je crois. La case sur la sixième rangée pour un cavalier. Donc là, on est exactement dans ce qu'on veut. Et F4, G4, en ouais. plus, on a Et la là. case Kasparov au passage, quoi. On Fantastique. a tout, on a tout, on a tout. Donc, dans la partie, les noirs n'ont pas voulu hein, que tu joues F5. Donc, Ouais, Paul, il a joué F5. il a joué lui-même F5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors. Alors, à vous de vous adapter à la nouvelle situation. Exactement, ouais. Maintenant, il nous a empêchés de créer notre duo de pions avec ce coup de pion F5. Qu'est-ce qu'on va maintenant pouvoir jouer pour prendre une bonne initiative et en suivant un peu les principes de jeu, si on veut. Toujours, toujours. Hein, on en a parlé, bien sûr, dans les principes de cette situation qui va arriver. Alors, F5, qu'est-ce qu'on peut faire ici avec les blancs? Alors, je vois un petit peu de cavalier G5, de pion G5. Alors, cavalier G5, pour l'instant, vous n'attaquez pas le pion E6 parce qu'il est bien protégé. Il Donc, est protégé par le cavalier C5, ouais. il y a la prise en passant qui est proposée. La création du pion de pointe avec G5, H4, H5 est proposée aussi, même si ça paraît un petit peu long quand même. Ah oui, ce serait encore Ouais. un autre cas de pion de pointe. Mmh. Mais il a le temps de s'organiser, peut-être. Ouais, je pense qu'il a le temps de s'organiser. Ça me paraît un petit peu long. Prise en F5 pour ouvrir le roi, mais ça va ouvrir le nôtre aussi. Voilà, il y en a deux ou trois qui ont proposé la prise avec soit taper sur le pion E6 ou la case forte en E5. La case forte, évidemment, E5, voilà, exactement. Donc on crée effectivement un pion faible, un pion arriéré, et devant un pion arriéré, il y a toujours une case forte. Voilà, pour le cavalier, hein, en général, on a vu tout à l'heure, le cavalier, c'est la meilleure case sur une case forte. Et ben je crois que le cavalier va y aller tout de suite, Ouais, il y d'ailleurs. va, il y va. Cavalier E5, voilà. Cavalier E5, là, il a remis sa dame en E7. Et là, on va chercher encore. Allez, un dernier coup à trouver ici. Très intéressant Dernier coup. cet exemple, cette partie que tu Ouais. as jouée en 2014 dans un défi contre Paul Ah. Velten. Paul Velten, Ouais. devenu grand maître Mmh. depuis. Ouais, il va y avoir un nouveau coup assez important ici qui nous permet de montrer encore plus l'idée des principes qu'on a vus. Un coup qui n'est pas si simple à voir, peut-être. Ouais. Ouais, ça hésite hein, sur le chat, Mmh. ça propose plusieurs Ça coups hésite. différents. Ouais, il y a du Mmh. F5, il y a du cavalier prend B5, du G5. Alors c'est vrai que j'avais pas parlé du mauvais fou dans les principes, mais ici, en général, prendre le fou des noirs, c'est vraiment pas une bonne idée parce que c'est un fou qui est quand même pas très bon, hein, qui est bloqué par ses propres pions. Alors c'est vrai qu'il attaque un pion blanc, donc on peut se dire, bon bah ça va, ce fou il est pas si mauvais, mais ouais, si ce pion est protégé, ce fou il aura aucune autre case où aller finalement, parce qu'il est bloqué par ses propres pions. Donc ici les cavaliers sont meilleurs que le fou, hein. Donc il faut Ouais, pas deux prendre ce cavaliers. fou. Ouais, cavaliers au Ouais, centre, là, ils sont forts. Hein.
Ils sont forts. Il faut surtout pas prendre ce fou. À moins de gagner du matériel, évidemment, mais on ne prend pas le fou parce que dans ce genre de situation, le cavalier est meilleur que le fou. Hein. Je crois qu'il y en a qui ont proposé cavalier prend fou. Et non, là, ce serait pas une bonne idée. Alors c'est vrai qu'il voulait peut-être créer des pions doublés isolés, mais aussi une remarque, c'est que vous allez vous retrouver, on a parlé de pions arriérés, d'ailleurs il y avait eu une masterclass hein, sur pions arriérés, donc notamment le thème de la casse forte, et là on va se retrouver avec un autre pion arriéré en A2 si on fait ça. Eh oui, on lui Peut-être. donne du contre-jeu, ouais, exactement. En plus de se gâcher ce beau cavalier qui depuis tout à l'heure nous aide bien, il tape sur E6, il avait soutenu la poussée F5. Ouais, il est presque sur une casse forte, hein, ce Oui. cavalier, parce que le pion E6, il Il arrivera avancera pas en jamais, ouais. E5 avant un moment, hein. Ah ouais. Donc on peut dire quand même que ce cavalier, il est quand même très très bien placé. En plus, il attaque un pion arriéré, un pion faible, donc non, il faut pas l'échanger, hein, pas contre ce fou. Alors, est-ce que le coup a été proposé? Je crois que je l'ai vu, mais non. Alors, un petit peu, Quel mais est... il n'était pas forcément majoritaire hein, parmi les coups. Ouais, il était Ça pas majoritaire, c'est hein. beaucoup Ouais. éparpillé. Donc, bah, en tout cas, bravo tous ceux qui ont trouvé G5. G5. G5, voilà, et vous voyez l'idée, la création, ben, des cases fortes sur la sixième rangée pour le cavalier. Et oui, on a vu le principe hein, tout à l'heure hein, de cavalier sur la sixième rangée de Steinitz. Et ben là, voilà, le cavalier qui va pouvoir y aller normalement. Voilà, alors effectivement, si vous faites F5, c'est un peu dommage parce que peut-être que vous allez laisser échanger le pion arriéré. On Ouais, avait vu que ouais. c'était bien. Et la casse forte disparaît hein, en quelque sorte. Enfin, elle devient moins forte Elle est moins stable, ouais. On s'il n'y n'y a a plus plus de le pion cavalier pour qui surveille. protéger. Ouais. Donc G5, bien joué. Alors. Voilà. Et on ferme le jeu ici avec le mauvais fou. Bon, c'est vrai que c'était pas marqué dans les principes. On aurait pu rajouter cette une ligne sur le milieu de partie. Quand il y a un mauvais fou, on ferme le jeu et inversement. Alors, ouais, alors est-ce que Allez, je le rajoute tout de suite là? si tu veux, ouais, tu peux le Donc, rajouter. Mauvais fou. Présence d'un mauvais fou, évidemment, on ferme le jeu. allez hop, comme ça, il sera déjà prêt Voilà, pour le récap. comme ça c'est prêt, Hop. exactement. Eh C'est bien, bon. on va peut-être pas voir la fin de la partie, mais en tout cas, on voit que les cavaliers sont hyper forts et que ça t'a permis de Ouais. gagner la partie au final. Voilà, les blancs ont fini par gagner une pièce, et puis c'était, il n'y avait plus grand-chose à faire. Voilà, oui, on peut passer à une partie suivante pour voir s'il y a d'autres principes. Il y a toujours des principes dans toutes les parties. Et ben là, on peut aller directement aussi au 19e coup. Pour les noirs, pour les blancs, mais ça va être les noirs qui vont chercher. Ok. Voilà. Hop, voilà. Donc Exact. On les garde les blancs noirs qui jouent toujours. A3. Hein. Les blancs qui jouent A3, exactement. Donc ici, on va essayer de trouver le prochain coup des noirs, si vous vous souvenez des principes qu'on a énumérés tout à l'heure. Sais pas pourquoi mon échiquier s'est décadré. J'ai du mal à saisir l'astuce. Bon. Je vais recadrer ça. Vous le voyez, vous Ouais. pouvez déjà chercher quand même. Je vais juste légèrement recadrer. Et donc le trait au noir, que faire? Voilà. Là, c'est bien, c'est un principe qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Mais évidemment, on en a parlé. Oui, absolument. Il y en a qui... Il y a des bonnes Qui ont... réponses? Il y a quelques bonnes réponses, ouais. Pas nombreuses, mais... Alors, il y a beaucoup de cavaliers DB5, cavaliers Voilà. BD5, pardon, oui. Alors effectivement, tout le monde a vu la casse forte, et donc le cavalier a envie d'y aller, bien sûr, mais il faut penser à autre chose aussi. Il faut penser à autre chose. Et à quoi faut-il penser? Il faut bien regarder la structure de pion. Alors Temps en triste. temps, il y a un bon coup. Temps en temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, là, je pense que cavalier BD5 est majoritaire. Si on fait un vote Ouais. majoritaire, il emporte Ouais. la mise. Donc, il y a Tristan qui nous dit échanger les pièces. Eh oui. Échanger les pièces mineures en présence d'un pion isolé.
chez l'adversaire. Voilà, avant de jouer cavalier BD5, on va d'abord prendre le cavalier en F3 pour échanger les pièces mineures. On échange les pièces mineures, hein, bien entendu, hein. Et le cavalier ensuite. Alors, en fait, je ne sais pas si le cavalier est en D5 après, d'ailleurs. Puisque je crois que l'idée de fou point F3, si les blancs prennent avec la dame, c'est d'échanger encore une pièce, voilà, avec le coup cavalier C2, exactement. Et parce que les blancs sont obligés de prendre le cavalier, sinon ils perdent le pion. On va faire cavalier prendre D4, sur tour à 2, on fait cavalier prendre Ah, D4, attaquant la dame. Voilà. Donc là, on gagnerait un pion, tout simplement. Et du coup, on échangerait une deuxième pièce mineure. Donc ça c'est l'idée. Et là, le pion D4, il va rester très faible et il n'y aura plus du tout de possibilité de contre-jeu, ou beaucoup moins en tout cas pour les blancs. En plus, les blancs conservent leur mauvais fou, hein, le fou qui est bloqué par le pion, donc pas énormément de possibilités de trouver du contre-jeu avec ce fou. Donc voilà l'idée des noirs. On échange de cavaliers et ensuite. On échange encore le fou en C2 avec le cavalier en C2. C'est une petite manœuvre, hein, mais une petite pointe, on va dire, contre un pion isolé. On échange les pièces. D'ailleurs, avec les blancs, il a pris avec le pion. Hein, en F3, il a pas voulu. Mais Ouais. bon, c'est pas un bon coup, hein, je pense. Hein. Là, la structure de pion est encore pire que tout à l'heure. Mais il a voulu garder ses pièces, il a voulu garder sa paire de fous. Il s'est dit, peut-être avec la paire de fous, je peux avoir de l'initiative. Le problème, c'est que là, il se crée vraiment Et des beaucoup fragilités, trop ouais. de faiblesses, à mon avis. Hein. Ouais. Et après, donc, cavalier BD5, il a Et essayé bien sûr, d'encore pas voilà. échanger, il veut Oui, garder là, les il a bien pièces. joué. Il a bien joué. Et là, peut-être qu'on peut essayer de trouver effectivement le prochain coup, qui, à mon avis, qui peut être intéressant. Ici? Oui, je pense que D'accord, ça là, marche. ouais, on peut Donc essayer, je le trait au pense. noir, le trait au Trait au noir, noir, à vous d'essayer de ouais. trouver le coup. Le prochain coup est le suivant. Donc on va commencer par le prochain coup, évidemment, avant de voir le suivant. Je pense que ça me paraît relativement logique. Est-ce qu'on montre celui-là? Ou est-ce qu'on fait Allez, chercher ce... on peut montrer celui-là. On va Ouais, d'accord. essayer. Alors on vous aide On un va peu. essayer de comprendre. On On vous vous aide aide un un peu. peu. Allez, Alors peut-être je vais regardez. cacher les flèches par contre. On va cacher les flèches. Ah, Hop. ok, on va tout enlever. Hop. D'accord. Ouais, très Voilà, bien. donc ça va disparaître. Ça, Et tout dit. ça, on va leur faire chercher. Ok. Donc, Ok. je vous remets l'échiquier. Tac. Donc, le coup, c'est cavalier H5. Ensuite, les blancs font fou à 2. Et maintenant, c'est à vous d'essayer de trouver le coup des noirs. Alors, le cavalier H5 au bord de l'échiquier, Ouais, j'avoue que c'est pas. il enfreint le principe. Bon, alors, On essayez de enfreint un trouver. principe, mais pour Yes. la bonne cause. Pour la Ouais, bonne voilà, cause. toujours pour la bonne cause. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, essayez de comprendre pourquoi on accepte de mettre un cavalier comme ça sur le bord. Alors, en tout Ouais, cas, oui. ils sont assez fans de la paire de fous car ils étaient assez choqués par le coup fou prend F3. Et là, ils veulent Ah prendre le ouais. fou E3. Oh là là, non, surtout pas. Donc voilà, on fait surtout pas cavalier prend E3 ici parce qu'il fait Ah pion prend. Il refait sa structure de pion. Il a plus de pion isolé même au centre. Ils vont peut-être même non. avoir plus tard deux pions dans le centre. Ouais. Donc là, on a raté. On a raté la séquence. Ah non, non, là c'est pas bien du tout. Non, non. Alors, il y a beaucoup de fou D6, fou G5. Non, mais Ouais. fou D6, ils veulent faire dame H4 pour mater. Ah, ils veulent me mater directement. Ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux, ils sont ambitieux. Des Et pourquoi attaquants. pas, pourquoi pas. L'idée est là, c'est intéressant. Le problème de fou D6, c'est que les blancs prennent le cavalier en D5 et créent un pion isolé chez les noirs. Donc ça, c'est un petit souci qu'il peut y Et avoir ils quand peuvent nous même. bloquer en plus en faisant ça. Et ils vont Donc le bloquer fou le est fou bloqué quoi. D6 Ouais. avec F4 après. Ouais. Donc là, Oui, c'est c'est pas ça. trop la meilleure suite. Et donc Non. effectivement, il s'agissait, bien vu, Simon et beaucoup d'autres qui l'ont trouvé. Oui, il y a eu beaucoup Fou G5. de fou G5. Voilà, fou G5 pour bloquer la case forte en F4, puisque évidemment, devant ces pions doublés et isolés, évidemment, il y a une case forte, la case F4 qu'on veut essayer de récupérer.
conservé, en tout cas, avec un cavalier, voire un fou, hein, mais un cavalier, c'est encore mieux. Alors, et par la suite, pour le créer coup, une attaque. On a basculé, pour le coup, Manuel, sur le concept de la casse forte, plutôt que de rester sur les échanges de pièces mineures contre le pion isolé, là. Alors, on propose un échange quand même. Ouais, si l'échange, on n'est pas mécontent, du coup. Ouais, bah, nous on va pas échanger parce que ça va rétablir la structure. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, évidemment le fou est imprenable. Mais s'il veut échanger lui, bah, y a pas de souci, hein. Au contraire, on est content. En plus, on aura la case. Voilà, on aura en plus quand on même aura la quand même case. la case en F4. Ouais, parce que ici en fait il y a plusieurs pions faibles hein, chez les blancs. Il y a plus que le pion D4, il y a aussi pion F3, F2, il y a même le pion H2. Enfin bon là la structure est vraiment catastrophique. Hein. Quatre îlots de pions, on peut pas faire pire hein, dans une position. Donc fou G5, très joli. Voilà, etc. Bon voilà, vous voilà, bon la suite est moins intéressante. Je pense que cette séquence de coups était pas mal à mon avis. La prise du cavalier en F3, c'est vrai qu'il était pas toujours facile à avoir. Hein. Il faut pas hésiter parfois à donner la paire de fous, surtout en présence d'un pion isolé chez l'adversaire. Alors, ça permet aussi, je suppose, hein, d'éviter ben, du cavalier E5, qui est un coup très fréquent dans ce genre de position pour les blancs. Ouais, l'avant-poste pour le cavalier qui peut être effectivement un peu pénible. possibilité d'être assez pénible. Ouais. Ouais. Ça marche. Alors, il y avait une contre-jeu question de intéressant. Lionel. Comment sur fou G5, si font dame D2, qu'est-ce qu'on fait? Sur dame D2, qu'est-ce qu'on Peut-être fait? que cette fois, on va enfreindre le principe pour gagner un pion. On va quand même gagner un pion, donc c'est peut-être pas mal. Ouais. Et là, je sais pas si il y a peut-être F4 quand même là. Ah mince. C'est embêtant. Ah ouais. là, je me fais attaquer de partout là. Ah non, peut-être pas. Si? Si, non, ouais, si ça marche. Ah, cavalier prend F4. Puis on prend D4, cavalier H3, c'est bizarre. Non, Ah, je pense c'est que ça marche rigolo. pas. Ouais. Ouais. Non, ça... bah, c'est très marrant. Hein. S'il fait tour prend, on fait fou prend, il y a des clouages de partout. Ouais, il y a des cloches de partout. C'est assez drôle. Clouage en croix, pratiquement. Mais. Mais il va prendre la dame. Et là, sur cavalier H3, même si on récupère la dame, il va quand même prendre il le pique cavalier. Le Hein. cavalier, ouais. Ouais, donc là, c'est on a pas perdu une une bonne idée. pièce. Bon, Non. c'était très compliqué, Ouais. on est parti sur la tactique. Ouais. Non, alors bah, c'est de ma faute, hein. J'ai tenté de faire une variante tactique et c'était Ouais, et puni. dame D2, bah dame D2, on va jouer tranquillement. Ah, on peut. Est-ce qu'on peut prendre le fou et faire dame G5 quand même? Ça Et peut. forcer roi F2, Ça a forcer du roi sens F2. ou pas? Ouais, il y a quand même roi F2. Il y a quand même roi F2. Ouais. Il y a quand même roi F2. Et ah, on peut jouer cavalier prend E3 parce qu'il y a tour C2 qui va Oh, arriver. c'est Et tour joli. C2. Ouais. Ouais, le roi blanc est quand même faible. Hein. Il y a quand même pas mal de possibilités tactiques apparemment. Je ne sais pas si c'était ce que j'avais prévu dans la partie, je ne me souviens pas. Peut-être le Tour coup dame D2. H6, c'était simple aussi. Hein. Peut-être un coup comme H6, c'était simple dans Oui, cette on peut position. aussi jouer simple. Oui. Oui, un peu. Mais fou prend E3, peut-être, a l'air d'être Ça gagnant. a l'air pas mal. Ouais, Ouais. Ok, on ouais. va changer d'exemple. En tout cas, Allez. là, c'était intéressant, je pense vraiment. Fou prend F3, un coup pas naturel, mais qui correspond vraiment au principe de pion isolé, d'essayer d'échanger des pièces mineures. Ouais. Et notamment avec ce super dame prend F3 cavalier C2. Ouais. Avec l'échange d'une deuxième pièce, ouais. Voilà, donc je pense que c'est vraiment très instructif cet exemple. Alors on enchaîne. Alors, on va aller au 21e coup des noirs, je pense. Alors Ouais, il faut enlever aussi les flèches et il n'y a tout pas de ça. Ouais. souci, on va faire ça, on se prémunit, hop. Donc c'est après le coup noir, donc on va leur faire charger. Hop. Voyons. Voilà, donc les noirs jouent H5. Et le trait est au blanc. Le Est au trait blanc. est au Alors. blanc. Alors qu'ils ont bien aimé les variantes tactiques. Hein. Il faut que tu saches, Manuel, qu'ils sont vraiment. C'est des grands tacticiens hein, dans le chat. D'accord, c'est fan des variantes tactiques, Ouais. très bien. Mais bon, ils ont trouvé à qui parler ce soir. Ah, il y en aura encore, je pense. Oui, il y aura encore. Ouais, je pense qu'il va y en avoir encore. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on est plus sur un côté stratégique avec le jeu de position, les principes, les pions isolés, les jeux de pions, les cases fortes, etc. Ouais, vraiment plus instructif souvent pour ces joueurs, mais ils montrent souvent qu'ils sont très au point tactiquement, mais ils ont à progresser en stratégie, ouais. Ouais. Souvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quel est le principe qu'on pourrait
respecté dans cette position, ce qui nous permet de trouver un plan aussi, Ah hein, oui, parce que pardon, Manuel, je rebondis sur une question que j'avais oubliée. C'était tout à l'heure, c'était Nochat qui demandait qu'est-ce que c'est le pion de pointe. Je n'ai pas trop compris ce que c'est. Ah, on en avait déjà parlé, donc le pion plus avancé de la position. Donc ici, pour les blancs, ce serait le pion D5. Voilà. Donc c'est le Le plus pion plus avancé de avancé. toute notre position, quoi. Oui. Et s'il y en a deux, on va privilégier celui qui est le plus central. Bon après, on peut faire un duo de pions aussi avec un pion un petit peu moins centré, mais disons que le pion plus central, en général, c'est le plus intéressant. On fait un duo de pions avec ce pion. Ouais, je rebondissais d'ailleurs sur Ethan. En fait, c'est Ethan qui m'a fait penser. Merci Ethan, parce qu'il proposait le plan A3, B4, C5 pour faire le duo de pion avec le pion de pointe. Voilà. Ouais. C'est effectivement, ça pourrait être une idée un peu long dans un sens et dans un autre sens, c'est pas si efficace parce que finalement, si on regarde la structure du pion, on a un pion arriéré en E4 et du coup, je sais pas si cette ouverture de ligne va nous être vraiment favorable parce que il pourrait y avoir des échanges de pièces, hein, par exemple l'échange des tours. Et bon, mais c'est un plan possible, hein, mais ça me paraît un peu long. Il y a quelque chose de plus simple à faire en fait, dans cette position, à mon avis. Et c'est Frédéric et Tristan, ainsi que Marc et Thierry qui vient Voilà, de donner exactement. la réponse. Vous avez vu les cases fortes pour les blancs sur la sixième rangée, voilà, toujours le cavalier. Voilà, ça, on l'a déjà vu, hein, et ça arrive très souvent. Voilà, le cavalier qui va se diriger en E2 puis en D4 pour viser les cases fortes. Il pourra pas y aller probablement tout de suite parce qu'il y a un fou chez l'adversaire qui va le prendre, mais en tout cas, il va les contrôler et pourquoi pas amener un deuxième cavalier, hein. On pourrait imaginer l'autre cavalier qui arrive en F4 par la suite pour venir en E6. Voilà, alors on va peut-être avancer quelques coups. Ouais, non, je voyais C'est que ça proposait parti. beaucoup de cavalier F3 aussi, mais faites attention parce que cavalier prend, pion prend et fou prend H3. Voilà. Ouais, ça perd un pion. Ouais. Ça perd un pion. Ouais. Donc, bien vu, cavalier E2. Donc, on avance à cavalier E2, Allez, on cavalier H7, avance. roi H7, pardon, cavalier D4, fou H6. Donc, bien joué des noirs qui vont échanger leur mauvais fou, enfin, leur mauvais fou. Ouais, leur mauvais fou contre un bon fou. Donc, comme ils sont un peu restreints dans l'espace, ils échangent une pièce. C'est L'espace qui bien était joué, mentionné effectivement. d'ailleurs sur le chat, donc effectivement, vous avez Avantage senti d'espace ça. pour les blancs, et du coup, les noirs essaient d'échanger une pièce. Bon, là, on peut pas l'éviter hein, avec les blancs. Donc, on échange une pièce, tant pis. Donc tu me dis hein, Voilà, quand je on dois va avancer. m'arrêter. Ouais, vas-y, vas-y. Donc là, on voit le doublement des tours qui va être effectué sur le pion arriéré en F6. Pour l'instant, on va continuer encore la partie. En tout cas, vous avez raison de penser à cavalier Hop. F3, mais il l'a bien Ouais, préparé. vous avez vu ici Ouais. peut-être. Ah, on n'a pas réussi. Ouais. Ouais, Voilà. c'est pas grave, Bon, c'est mais pas c'est pas grave. grave. C'est pas Oui, forcément. oui. Oui, C'est pas si oui. facile non plus. Ouais. Non, Donc, non. qu'est-ce que vous Donc faites avec là, les ouais. blancs, ouais. C'est pas évident. Donc là, on a vu effectivement le dernier coup des noirs, le coup G5, qui était peut-être pas une très très bonne idée, Il essaie peut-être. d'attaquer, mais il fait des Ouais, il va affaiblissements aussi, tenter quoi. ça. Ouais. Des affaiblissements à quel endroit exactement? Et comment en profiter? Alors, que faire avec les blancs? Alors les noirs qui ne veulent pas échanger leur beau cavalier en E5, hein, a priori, c'est la pièce vraiment qui tient la position hein, chez les noirs. S'ils n'ont pas ce cavalier, ça va être très compliqué pour eux par exemple, de bloquer la diagonale de la dame sur le pion F6. C'est vraiment la seule pièce des noirs qui est bien placée, qui a du jeu. Hein. On voit le cavalier en H6 par exemple qui est bloqué au bord de l'échiquier, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Bon, le fou D7 est intéressant, mais plus en défense. Hein. Il vient bloquer les cases fortes. Il vient empêcher le cavalier blanc de rentrer en C6 ou en E6. Donc ça, c'est un fou défensif intéressant. Par contre, effectivement, le cavalier en H6 est
plutôt hors jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs ici? Alors, Ruben qui tente un plan fou D1, cavalier D2, Oula. cavalier F1, cavalier G3 ou E3. Fou D1, fou H5. Bon, mais il va pas laisser le pion H5, hein. De toute façon, il est même prêt à faire Ouais, à mon G4. avis, ouais. Il va avancer son pion en fait, en H4 même. Et il y a eu, je crois, deux propositions de cavalier G1, E2, G3. Ouais, bien joué, bien joué. Si on peut arriver à sur la case en F5, effectivement, la case forte qui vient d'être créée par le coup G5. Et on va même on va voir on va avancer un petit peu Allez. encore. Allez, et on va voir ce qui va se passer exactement. Voilà, il y a les flèches qui sont là. Donc H4, donc le cavalier va pas pouvoir venir en G3, mais c'est pas grave. Cavalier GE2, voilà. Alors attention. Alors, je cache la flèche ou les couleurs ou... Je sais pas s'il y a des flèches, ouais, Ouais, il y en peut-être a, il y en ouais. a, Allez, ouais, allez, on sûrement. n'est jamais trop prudent. On va les enlever. Bon, Il ça y a, ouais, va. il y a une couleur pour J'ai l'instant. quelques Voilà, ça on peut couleurs. l'enlever. Hop. Voilà, on peut enlever ça. Exact. Allez, il n'y a Donc plus rien. il n'y a plus Hop. rien. Je pense qu'on va revenir. Donc H4, cavalier GE2. Roi Roi H8. H8. Voilà, là le prochain coup est pas si facile quand même. Allez, à vous de Peut-être. jouer. À vous de Ouais. jouer. Ouais, je pense que c'est pas forcément évident. Et alors, Pas évident. donnez votre plan, bien sûr, toujours, hein. Donnez pas juste un coup. Parce que souvent, ils aiment bien essayer de tenter des coups, mais ils expliquent rien. Eh oui, c'est ça. Il faut avoir une idée, hein. Aux échecs, il faut surtout pas jouer de coup par coup, hein. Il faut toujours avoir une idée derrière la tête. Pourquoi on joue tel coup? Qu'est-ce qu'on veut faire par la suite? Donc, on peut dire un coup, mais il faut expliquer pourquoi on le joue. On va se recentraliser nous aussi, comme les pièces. Ouais, Alors, voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà. Déjà, c'est mieux. Il y a eu quelques propositions intéressantes. ça propose du G3 pour. En espérant qu'ils prennent. Mais attention, toujours le pion H3 qui est en prise là par le Eh oui, fou. toujours le pion. Le fou Ouais. qui guette l'instant pour se réveiller. Hein, ici. Ouais, oui, à tout moment. Heureusement, lui, c'est un bon fou de défense, hein. Il est quand même pas mal, ce fou. Évidemment, on voit la différence, hein, entre un fou de case blanche et fou de case noire ici. Si jamais les noirs avaient un fou de case noire, ils seraient complètement bloqués par ces pions. Les 7 pions, ouais. Ouais, 7 pions sur sept noir. pions sur case noire. Ouais. Ouais, les blancs ont 7 pions sur case blanche. Ils ont un fou blanc, mais comme il y a plus d'espace, le fou blanc peut-être quand même être plus intéressant. Alors, je crois que j'ai vu des propositions tout à l'heure, Ouais, elles ont disparu. Il y a eu plusieurs fois la bonne réponse, effectivement. Ouais. Alors, fou D1, ça peut être un bon replacement parfois, effectivement, Frédéric. Ça peut être une bonne idée d'essayer d'aller viser du fou H5. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on cherche à voir que faire ce pauvre cavalier E2 qui est gêné par tout le monde ici. Et donc, bravo à tous ceux qui ont trouvé. Alors, il y a Rob One notamment qui dit cavalier F5, il met une longue variante. Fou prend F5. Alors, il sacrifie la qualité, carrément, j'ai Ah, l'impression. carrément, Il est carrément. chaud Là, c'est un peu là. optimiste. C'est optimiste. Ouais. Avec une case forte en Non. F5 qui ne peut plus être protégée que par une pièce lourde. Bon, mais en Non. fait, sur fou prend, l'idée c'est pas de sacrifier la qualité quand même, surtout contre le cavalier H6 qui est sur le Ah, bord et ouais. qui fait rien. Hein. Donc plutôt pion prend. Et là, est-ce que vous voyez l'idée? Normalement, cette fois, vous pouvez la voir. Alors là, effectivement, c'est Voilà. plus dans les principes du jeu de prendre avec un pion sur une case forte, mais c'est pour la bonne cause parce que on va se créer Une autre case forte, renforcement. Enfin, la case forte était déjà là, mais vraiment on renforce carrément ouais. la possibilité d'y amener, bien entendu, le cavalier. Voilà, cavalier D4 et cavalier E6, le fameux cavalier de Steinitz sur la sixième rangée qui va gagner la partie. Voilà. Et avant-poste absolu nous dit un duc, effectivement, mais le fait qu'il y ait un cavalier sur 5 masquant, ça c'est un petit peu quand même, ça limite un peu la Ça case forte, hein. laisse, voilà, ça laisse encore de l'espoir. On peut voir le prochain coup des noirs. Est-ce qu'il n'y a pas de flèche? Voilà. Et là,
Alors, Finalement, il faut toujours réagir par rapport à ce que fait l'adversaire. Hein. Nous, on a un plan, on a une idée, mais suivant ce que fait l'adversaire, eh ben, on peut évoluer, on peut changer. Et donc ici, on voulait aller avec le cavalier sur la case E6 en passant par D4. Et maintenant, voilà, on on va peut passer par passer l'autre côté. de l'autre côté parce qu'on pourrait éventuellement viser une autre case forte qui serait la case en G6, voilà, Enfin, avec le on peut cavalier. choisir Donc, maintenant. on peut choisir. Alors, la case G6 est contrôlée par son cavalier, mais s'il y a un échange, ça va ouvrir les colonnes des tours, et donc ça va permettre de gagner probablement le pion F6. Ouais. Donc, là, on se donne le choix. Très important d'avoir le choix aux échecs. Ouais, il faut avoir plusieurs options. Alors, on Peut montre voir un peu la la partie. fin. Ouais, on peut voir la fin. Ouais. Voilà, bon. Dame prend, C'était moins il va dans le donner un thème. pion. Ouais. Hop. Roi G2 tranquillement. Ouais. On Tour double. 20. Donc là, Roi tu as joué cavalier E6 G7. échec. Finalement, finalement, il Ouais. arrive sur la Voilà, le case. cavalier qui va bloquer et qui bloque les tours. Hein. On voit les tours noires qui sont bloquées. La tour E7 qui était bloquée. Voilà, il finit par donner un pion. Le cavalier E6 qui met une pression terrible sur le pion C7. Et les noirs qui peuvent pas vraiment se défendre. Hein. Voilà, et l'activité de la tour qui finit. On va gagner les pions. Finalement, le pion C7, attaqué par le cavalier, est perdu. Eh Donc bon. ouais, eh ouais. Donc le cavalier E5 était bien pour bloquer un petit peu les tours blanches, mais au bout d'un moment, il fait plus rien, ce cavalier. On passe autour de lui. Hein, toutes les On pièces le blanches contourne. ont contourné le cavalier. Ouais. Tandis que le cavalier E6, il est trop puissant. La tour en F7 est complètement bloquée. Elle n'a pas la case G7, elle n'a pas la case F8. Et en plus, le pion C7 est attaqué. Donc, Ouais. et cavalier H6, il n'a pas bougé. Hein, Il est cavalier toujours là. H6, il est resté là. Hein. Ouais. Ok, très bien. Allez, continuons. Continuons. Peut-être qu'on peut passer Peut-être sur une qu'on a autre déjà partie. fait Ouais, la case forte. on Hop. va passer sur une autre partie. Allez, on passe aussi. Ouais, Ouais, les on va duos de passer. pointe, on a commencé à faire Ouais, un peu un duo de pointe, donc on l'a on fait ça. enchaîne. Ça, on l'a fait aussi, mais est-ce qu'on le double On l'a ou... fait aussi. On peut peut-être regarder quand même Allez, le on fait quand 14e même. coup. Allez, on va peut-être pas voir la fin de la partie, mais voilà. Donc les noirs vont jouer B6. B6. Voilà. Et voilà, on peut chercher le coup pour les blancs aussi. Parce que je pense que Ouais, c'est bien ça. voilà, c'est un principe de jeu qui est quand même assez utile, assez important, qui arrive souvent. Que faire avec les blancs? Si vous regardez en différé, n'hésitez pas à mettre la Blanc. pause pour chercher, mais en direct, on attend vos réponses sur le chat. Ouais. Donc avec les blancs, qu'est-ce qu'on va faire exactement ici? Et pourquoi? Oui, donnez votre explication. Pourquoi vous jouez un Ouais. coup? Alors qu'ils sont chauds, hein. Il y a déjà deux sacrifices de qualité Ah dans oui, le tour qu'on chat. fout, c'est ça? Trois, Ah oui. trois. Ah ouais. Alors, Nils qui veut faire dame B3 pour empêcher le roque. Ça va peut-être pas l'empêcher très longtemps parce qu'il va faire fou E6. Ah oui, il Ouais. va tout de suite s'opposer si on fait dame B3. Ouais. Bien joué, Nochad et Tristan. Je crois que c'est les deux seuls pour l'instant qui ont trouvé le bon coup, qui ont trouvé ton coup. Oui, avec l'explication, c'est bien. Ouais. Ouais, bien vu, Voilà. Nochad. Donc effectivement, D4, on cherche à ouvrir sur le roi au centre, comme tout à l'heure, comme dans notre premier Comme tout à exemple. l'heure. Exactement. Voilà. Ouais, là, on est revenu dans l'exemple de tout à l'heure. C'est la même chose. Le roi noir est au centre. On ouvre le jeu. On échange un pion. Et là, le roi noir, il va être On très, force très embêté. l'échange. Donc Ouais. les cavaliers bien placés, le fou qui s'ouvre un peu. Alors, c'est à noter, je pense aussi que... il a du mal à roquer parce que, alors vous voyez, votre tour prend B4, c'était plutôt intéressant. C'était un coup ambitieux, un sacrifice. Il y avait peut-être du cavalier échec derrière aussi, même si on voyait qu'il pouvait juste nous attaquer. Mais qu'il ne peut pas roquer de toute façon.
Parce que. Enfin, non, j'allais dire, il y a tout prend V4. Peut-être que j'ai mal calculé. On avance le pion, on avance le pion en D5. Ah, on Voilà, continue la route. et Et on on va quand gagne. même gagner une Ouais. pièce. Voilà, et on On va quand gagne même juste gagner une une pièce de pièce. manière très simple. Voilà, besoin Parce pas de qu'on me attaque le chercher. cavalier défenseur du fou, donc Aussi voilà, on gagne une compliqué. pièce. Ouais. Ouais, beaucoup plus Non, simple. effectivement, il peut pas roquer. Il peut pas Donc, roquer, et du coup, quand il a il pris. prend, on reprend avec le cavalier, on remenace de gagner la pièce, donc il peut toujours pas roquer. Là, le fou en B4 est toujours attaqué, et on va continuer Et là. l'agression en empêchant le roque. Voilà, la tour en D1, et il pourra jamais roquer dans cette partie, à moins de perdre une pièce. Voilà, là, Ouais, éventuellement. il arrive pas à se sortir de là, ouais. Non, il peut plus bouger là pratiquement. Donc là, Et en fait, il joue sans sa tour en H8. Hein. Il joue sans sa tour en H8. C'est une tour de retard pratiquement, ça. Ouais, donc là, d'ailleurs, t'as gagné la partie en Assez 7-8 vite. coups, 7-8 coups à Ouais. partir de là. D'accord. Ouais. Voilà, bien, bien vu, bon exemple. On Allez, on va poursuit. essayer de poursuivre. Alors, c'est un Case peu. forte, Ouais, peut-être la casse-fin. fin ou... La fin, éventuellement. Voyons, oui. Bon, la casse forte, on l'a vu. Voyons, 22e coup, ce que ça donne, oui. Ah oui, avec les noirs, effectivement. Peut-être bien ça, peut-être bien. Peut-être bien, oui, effectivement. Que faire avec les noirs? C'est une situation qu'on peut rencontrer assez souvent, c'est-à-dire dans une bonne position, les pièces bien placées, mais on ne sait pas forcément trop comment continuer. Donc ici, le cavalier hein, sur la sixième rangée, enfin la troisième rangée, puisqu'on a les noirs. Là, on connaît, on sait que c'est très fort. Une case forte aussi, même en E4, pour le fou, hein, puisqu'il y a un pion arriéré en E3. Donc là, la structure de pion des blancs est vraiment très mauvaise. Mais la position est solide pour les blancs. Comment arriver à concrétiser? Attention, JP Chess sur Dame A5, il y aurait Dame prend C4 peut-être. Ah oui. Alors, Saloron qui propose fou prend F3, mais est-ce qu'on va pas lui désarriérer son pion si on fait fou Ah prend oui, F3? il peut peut-être prendre avec le pion hein, Ouais, il avance après, non? Enfin, il et va essayer essayer en tout cas, d'avancer ouais. en E4. Ouais, On ça peut peut-être serait. faire ça pour le bloquer, mais bon, on fragilise notre roi par la même occasion, quoi. F5 est proposé d'ailleurs par plusieurs internautes, mais sans prendre en F3. F5 est une option, mais attention quand même, on laisse libre la case en E5 peut-être. Est-ce qu'il n'aurait pas la Avec le possibilité de jouer fou. G3 et fou E5 après? Il faut faire Ouais. attention à pas donner trop de casse forte à l'adversaire non plus. Hein. Ah, c'est vrai C'est qu'on lui donne. Ouais. Et puis on n'a pas besoin de soutenir ce fou pour l'instant, il est déjà très bien soutenu. Il est très bien soutenu, le coup F5 n'est pas nécessaire, effectivement. Alors, essayez de trouver un principe, hein. Essayez de trouver un principe auquel ça correspond. Alors, Ruben, Dafalgan, Domenico. Ah non, c'est. Pardon, pas Domenico, désolé. Thomas. Oui. Fitches, Franck. Il y a du monde quand même qui propose le plan B5 à 5 B4. Ouais, exactement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de faire le pion de pointe, le duo avec le pion de pointe, auquel cas ça marche aussi. Eh oui, tout à fait, Encore ouais. une fois, donc ça marche tout le temps en fait ce truc, Manuel. Ah oui, ça marche tout le temps, Mais ça je ne marche tout sais le temps dans pas. chaque partie. Ben, c'est très pratique ça. Mais moi je ne le Bah savais oui. pas, mais j'espère que je vais gagner Ah bon? du niveau avec ça. Ah bah oui, tu as gagné plein de parties grâce à ça. Et tout le monde va gagner plein de parties grâce à Et ça. ben Ah oui, voilà. toujours le pion de pointe, toujours le duo de pion avec le pion de pointe. Et ici, en plus, on avance le candidat en premier pour la majorité de pions. Pour créer un pion passé, hein, c'est ça l'idée. A5 et ensuite B4, et on va créer un pion passé qui va aller très vite, hein, ce pion, puisque la case Si on de arrive à promotion passer là, ouais. C1 est déjà protégée, la case juste avant est protégée par le fou. Il suffira d'arriver à l'avancée en C3 et on est tranquille. On peut éventuellement voir le prochain coup des blancs qui est peut-être pas terrible. On va Elle essayer de voir essayait de... pourquoi. Ouais. Pourquoi c'est pas terrible ce coup.
En fait, en général, il faut jamais avancer les pions du côté Ou l'autre avance, où ouais. l'autre avance, où l'autre est fort, en fait. Hein. Mais je pense que les Blancs avaient vraiment rien à faire. Hein. C'était très compliqué. La position était trop Pouvait pas trop resserrée. bouger, ouais. Ils ne pouvaient pas trop bouger. Donc il y a eu ça, création d'un pion Voilà. passé. Ouais, c'est ça. Le pion passé est créé. Et vous avez vu avec le coup A5, finalement, si les Blancs ne prennent pas le pion B5, eh ben on a l'option soit on prend en A4 et on crée le pion passé A, soit on fait le fameux duo de pion au B4 comme prévu pour créer le pion passé en C4. Donc là, on a voilà, après les Noirs vont gagner facilement, je pense. Ok, ça Ouais. marche. Donc on enchaîne. On enchaîne. Alors, avec le 13e coup, faut peut-être enlever Ah une oui, flèche, tout à c'est fait. possible. On va Ouais. faire ça. 13e Oh, coup. remarque, c'était. Mais on va voir si tu remarques, ouais. On va voir quand même. Voilà. Ouais. On sait jamais. Donc, hop. Voilà. 13e coup, aux blancs de jouer. 14e coup. Qu'est-ce qu'on fait ici avec les blancs? Alors le pion candidat, Pierre, on en a parlé tellement souvent sur la chaîne, c'est le pion qui n'a personne Ah. devant lui. Il n'a personne devant lui. Et c'est celui qu'il Eh faut avancer. Voilà. Mais c'est dans des situations spéciales avec une majorité. C'est un pion qui n'a personne ouais. devant lui dans le cas d'une majorité de pions. Donc par exemple un 3 contre 2 ou un 2 contre 1. Surtout. Ou un 4 contre 3, éventuellement. Alors, Alors, que qu'est-ce faire qu'on... avec les blancs? Il y a quelques propositions. Quelques propositions. Qu'est-ce qu'on remarque ici dans cette position exactement? Essayez toujours de relier un principe avec votre plan. Principe. Ouais. Trouver un principe. Alors, il y a beaucoup de roi H1. Bon, c'est un coup complètement naturel, hein, roi H1, effectivement. Ouais, pour mettre la tour en G1, oui, d'accord, Très effectivement. standard, mais c'est que ça correspond à un principe. Bon, la colonne semi-ouverte, mais c'était pas dans la liste des principes, je crois. C'est pas dans la liste des principes. Et bon, je sais pas si c'est si efficace que ça, parce que les Noirs, ils vont ramener leur fou en E7 et ensuite en F6, ils vont Ouais, contrer, je que pense, assez facilement neutraliser. Ouais. l'attaque. Alors, il y avait du B4, mais je sais pas si j'ai bien vu. B4, c'est B4. bon, c'est très dynamique en tout cas. Oui, effectivement. Alors, c'est F5, pas un on pion ouvre le jeu. candidat, c'est pas un pion de pointe. F5, on ouvre le jeu. Pas forcément, parce que l'adversaire peut refuser hein, d'ouvrir le jeu. Donc il pourrait avancer lui son pion E5. Il pourrait faire différentes choses. Il pourrait même avancer, mettre sa dame en H4. Ça pourrait être embêtant parce Mais faut qu'on ne faire pourrait pas attention. bouger le fou. Il faut quand même se méfier là, hein, parce que le fou ne peut pas bouger à cause de l'attaque en H2. Hein. Donc là, faut quand même. C'est quand même pas si simple peut-être pour les blancs là. Peut-être c'est bien Parce que là, on garder ouvre. ce pion-là pour bloquer le fou D6 Ouais, pour parce que l'instant. le roi blanc est quand même un petit peu affaibli ici. Ouvert. Donc le pion F4 est peut-être assez important pour bloquer quand même le fou D6. Alors, est-ce qu'il y a des bons coups proposés? Alors F3 ouvre les lignes, paire de fous, nous dit Thomas. Ouais, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Le Dame petit problème G4 de F3, c'est affaiblissement. que c'est un peu affaiblissant F3, je trouve, moi. F3, il pourrait quand même jouer dame H4 et ça peut être un peu compliqué pour le roi blanc. Mais bon, il y a de l'idée, effectivement. Ouais, On n'est pas loin. On Ah n'est pas loin de voilà. quelque chose. Oui, Donc ça y est, ça vient, ça vient. ils ont amélioré l'idée. Ouais, Alors ça ils ont dépend lesquels, hein. Il y en amélioré. a qui disent on tente le mat. On tente le mat. Ah, on sait jamais, s'il voit pas. Ah, s'il oublie, hein. Ah oui, Il a pas peut-être le qu'il a temps pas de. voir. Ah ouais, on Non, sait mais en plus jamais. sérieusement, il y en a qui proposaient ça pour affaiblir les cases autour du roi noir aussi. Ouais. Est-ce que ça va marcher ça? Alors, les noirs pourraient effectivement, s'ils sont obligés de jouer G6, ça va peut-être affaiblir un petit peu, bien que ils pourraient toujours proposer l'échange Toujours des faire fous ça, après, ouais. un fou E7, fou F6 par la suite. Ils peuvent peut-être faire cavalier F6 plus Ils peuvent tranquillement. faire cavalier F6 peut-être, ouais, je pense. Et Je peut-être pense que cavalier après. F6 est jouable et ramener quand même le fou en E7 par la suite, ouais. Ça a l'air encore à peu près solide. Je pense que ça va à peu près. Les blancs, ils ont Bon, pas alors trop le thème c'était de... la paire de fous, hein. Est-ce que vous l'avez Paire de repéré? fous.
Vous avez repéré la paire de fous. On est dans une position relativement ouverte quand même, hein, mais on peut l'ouvrir encore plus. Et on va ouvrir des lignes. Et on va aussi... Alors, j'ai pas parlé de la pièce non protégée dans les principes de jeu, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir un problème de pièce non protégée chez l'adversaire, voilà, sur cette colonne, pour l'instant semi-ouverte pour les noirs, mais qui va s'ouvrir. On en avait parlé dans certaines missions. Ouais. Donc, D3, on veut ouvrir le jeu pour la paire de fous. Et en même temps, il y a le fou qui traîne en face. Ouais. Exact. D3 qui permet d'ouvrir les lignes, qui permet d'ouvrir aussi finalement les colonnes. Hein, parce que les blancs vont récupérer certainement cette colonne assez rapidement. Attaque sur le fou, pièce non protégée en D6, hein, qui va faire gagner un temps au blanc. Mais on sait que le temps d'échec, c'est important. Prend et recule comme prévu. Tour D1, voilà, on gagne tempo sur le cavalier. Cavalier F6, et là, on va avoir les deux grandes diagonales, ça va être génial. Ouais. Fou fianchetto G2, fou de fianchetto B2, avec zéro pion dans le centre. Ouais, donc très là, fort les deux fous ici, très fort. Ouais, le fou qui va arriver en G2. En plus, on a aussi les deux colonnes ouvertes avec les blancs. Ouais. On est très très bien. Voilà, position extrêmement forte. Hein. Voilà. À noter que par rapport à D4 hein, qui avait été proposé, c'est le contraire. Hein. D4, on est en train de fermer. S'il prend en passant, c'est pareil, mais s'il prend pas, c'est le contraire. Eh oui, non, là on ferme, on bloque notre fou, donc là c'est pas bon du tout. Hein. Il va même peut-être mettre le cavalier ici sur la case forte. Ouais, ouais. Attention, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, hein, donc il n'est pas obligé de prendre le pion. Donc il faut l'avancer d'une seule case pour le forcer à prendre. Ouais. Voilà. Bon, dans la partie, il a pas pris, mais bon, c'était un mauvais coup. Il fallait qu'il prenne, c'était le seul coup, hein, je pense. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, et bon, là, F5 qui était demandé par Jean-Noël, pourquoi F5 n'est pas bon. Bah, on a dit tout à l'heure, on a dit, il y a soit Dame H4 qui nous embête. Parce qu'il y a un mat derrière, ouais, on n'a pas trop envie d'échanger les dames, forcément. Et puis, il peut fermer. Il y avait même E5 qui fermait le jeu, qui était aussi assez embêtant. Hein. Mm. Mais bon, je pense que la Dame H4 était peut-être encore mieux. Encore plus agaçant. Ouais. Ok, ça marche, on poursuit. Allez. Alors, là, on va descendre. Alors là, on va descendre, on va être en finale. Ça, c'est intéressant. D'accord. Attention. Alors, 25. Ouais. Ici. Donc les noirs. Voilà, le prochain coup, c'est tour A6 pour les noirs. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les blancs ici? Donc on est en finale de tour, bien entendu. Un pion d'avance pour les blancs, ça c'est facile à compter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire sur ce coup tour A6? Il y a plusieurs options, bien entendu. On pourrait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer tour D2 pour défendre le pion. On peut jouer tour D7 pour attaquer le pion C7. Ou on peut jouer A4 pour, de la même façon, défendre le pion A2 qui est attaqué. Donc voilà, vous avez trois choix de coups ici. Trois choix possibles. À vous de trouver le meilleur, alors qu'ils ont apparemment déjà fait leur choix hein, sur le chat. Puisqu'ils connaissent le principe de la 7e rangée. Alors, ils ont tous dit tour D7 pratiquement. Mais il y en a quelques-uns qui essayent d'aller contre le courant. Eh ouais. Et ils ont, c'est pas facile, hein, mais. Ouais, c'est pas si simple. Il hein. Ouais. Faut dire que le grand maître avec les blancs, il s'est trompé. Hein. Ouais, 1592, quand même. Il a fait aussi la 7ème rangée, donc ne vous en voulez pas. Hein. Vous avez fait le coup du grand maître. Ce qu'on proposait tour D7, bon, c'est une erreur normale, quoi, on va dire. Hein. Ouais, c'est vrai que ça correspond en même temps à jouer actif et au principe de la 7ème rangée, mais. Il y a un principe que vous avez oublié, qui a été donné par Manuel dans l'introduction. Ouais. Essayez de le découvrir et essayez d'expliquer. Puisqu'on essaye de gagner la partie avec les... On a peut noter que les blancs ont un pion d'avance. Hein. Les blancs ici. Ont un pion d'avance, hein. Oui, bien entendu. Hein. Donc pion ici, ils espèrent gagner. On sait qu'un pion, au final, ça peut être une dame. Ouais. En finale, avec un pion d'avance, donc ça faisait partie des principes, hein, une position supérieure. Alors, il y a du tour D2 et du A4 du coup qui sont proposés, mais forcément, ils ont déduit que c'était pas tour D7. Oui. Alors. Si c'est pas tour D7, c'est forcément l'un des deux autres coups. Bon, sinon, on va perdre le pion, ça serait dommage. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, mais essayez d'expliquer.
Pourquoi faut pas faire tour des 7? Alors, JP Chess, pour quelle raison on joue d'abord à 4? Pour quelle raison? Ça correspond à quoi? Je ne sais pas, tu t'écris tellement de choses, je ne sais pas si tu as mis le principe. J'essaie, mais je crois pas que tu as expliqué pourquoi. Alors. Un principe de finale, on a vu au début. Ah, c'est Fit Chess qui est sur la piste, ouais. Si on se retrouve avec un Ouais. seul pion à la fin, il y a plus de chances de nul. Voilà, donc il faut garder les pions exactement avec les blancs. Il ne faut pas échanger les pions. Pourtant, on a l'impression que ça va activer la tour. C'est vrai, mais ça va activer aussi la tour adverse, hein, si on regarde bien. Hein, parce que tour prend à 2, bah, c'est la tour noire qui se retrouve sur la deuxième rangée. Aussi. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'activer notre tour si la tour adverse s'active aussi? Bien sûr, surtout si on échange les pions. Voilà, ça c'était une erreur. Il faut pas échanger les pions. Et en plus, les noirs vont échanger encore un pion après, hein, avec le On coup peut le A5 suivi montrer. de A4. Il y a eu tour Voilà. B2, tour A7, tour prend, Et tour oui. là, tour là, Et et cette là. finale. Et donc, du coup, cette finale qui est nettement plus compliquée pour les blancs maintenant, puisqu'ils ont plus qu'un seul pion sur la dame. Je pense que c'est déjà nul, en fait, hein. Je pense que c'est déjà nul, alors Ok. que tout à l'heure, quand il y avait encore les trois pions contre les deux pions, c'était gagnant. Alors, on peut revenir un tout petit peu quand même, au moment, voilà, tour A6 ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir entre A4 et tour D2? Quel est le coup qu'il faut choisir entre les deux et pourquoi? Alors ça, Alors, ils hésitent, hein, ils hésitent, ouais. ils hésitent. Voilà, on essaye bien de retenir le principe quand on a un pion d'avance, donc à une position supérieure en finale, un pion d'avance en général, on n'échange pas les pions. Donc ici, il faut trouver le coup qui n'échange pas les pions, qui n'échangera pas les pions sur l'aile dame. Ouais, donc ok, c'est partagé toujours sur le chat, mais plutôt du A4. Ils trouvent que tour D2 c'est passif, en Tour D2 fait. est passif et il y a une autre raison, c'est qu'après le coup tour D2, les noirs vont pouvoir jouer le coup, c'était pas marqué, mais tour A3 avec l'idée, Ah, bien encore entendu, échangé. voilà, Ah A5 là suivi là. de A4, échange de pions, les noirs vont quand même réussir à échanger un pion et donc se retrouver dans une position un petit peu moins compliqué dans cette finale. Le fait simplement d'échanger un pion peut permettre aux noirs de faire nul dans la finale. Par contre, le coup A4 va empêcher complètement cette pion. Le roi blanc qui va pouvoir ensuite revenir défendre et la tour blanche qui va s'activer. Voilà, la tour qui va venir en B6 pour attaquer le pion qui va empêcher la tour de blanche de bouger. Mais le roi blanc va arriver et bon, voilà, j'ai mis une variante, mais Alors c'est vrai qu'ils étaient inquiets de 2 à 4 parce qu'ils trouvaient que ça respectait pas la règle du candidat en avant. C'est vrai que le candidat il est là. Ah oui, Et c'est vrai qu'on exact. enfreint la règle là-bas On en fera la règle pour en respecter pour une autre. éviter, ouais, pour éviter un échange de Ouais. pions en plus avec tour A3, ouais, c'est pas mal, hein. Faut trouver Ouais. le bon principe. Donc c'est dur, hein, là c'était dur de naviguer dans cette finale de tour. Bon, on sait que les finales de Elle tour, était difficile. on sait que c'est Ouais. dur, hein, on a vu un aperçu avec Nicolas Très dur. Spiridonov il y a 2 semaines. Donc vous avez essayé de faire la 7e rangée, c'était pas le meilleur dans cette position. Après, vous essayez de faire le candidat, c'était pas le meilleur non plus. Donc difficile de s'y Ouais, oui, retrouver. très difficile. On voyait le joueur à presque 2600 Elo, il s'est trompé aussi. Ouais. Hein, donc là, on peut facilement se tromper hein, dans ce genre de finale. Voilà, en tout cas, intéressant, nous dit Jean-Noël, très instructif. Hop. Alors, encore un thème Alors, qu'on a déjà vu. un thème qu'on a déjà vu, est-ce qu'on peut peut-être passer au 32e? Oh, oui, Oui. voilà. Voilà, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, position complexe apparemment. Oui. Les deux rois n'ont plus de protection, donc ça chauffe. Ça chauffe dans tous les sens, effectivement. Voilà, avec les blancs. On a les blancs ici. Alors, le milieu de partie par rapport à la fin de partie. Alors, en fait, c'est assez simple. La finale, c'est quand on a échangé l'équivalent de 12 points en pièces. Donc, à peu près une dame et une pièce mineure, en fait. Ah ouais, j'avais jamais entendu ce truc de 12 points. Voilà, à peu près. Donc, ça fait 12, 13, quoi, 12 et demi. Sinon, on est en milieu de partie.
Voilà, donc si on a échangé une tour, un cavalier, ben, on est encore au milieu de partie. Par contre, à partir du moment où on échange une dame et une pièce mineure, voilà, c'est le début de la finale déjà. Effectivement, ça peut être important de visualiser si on est au milieu de partie ou en finale. Il y a des principes qui sont un petit peu différents suivant les phases de jeu. Alors ici, on a les blancs. Alors, on n'est pas en finale, hein, si on regarde bien, hein, puisqu'on n'a échangé que deux pièces. Alors, on ne compte pas les pions hein, dans les points. Dans les points, on compte que les pièces. Donc ici, on a échangé deux pièces mineures. Donc, on est encore en milieu de partie. Alors, il y a beaucoup de dames D7 qui est proposé. Beaucoup dames D7. Pourquoi vous jouez ça? Alors, ils disent pour créer un pion passé. Ben, il est déjà créé, de toute façon. Donc, il est déjà passé, le pion. On en a déjà trois, d'ailleurs, donc c'est bien. Ouais, j'ai trois. On a déjà trois pions passés, c'est l'opulence. Alors dame D7, pour quelle raison exactement? Alors oui, c'est une bonne idée. Pourquoi on fait ça, par contre? Dame D7, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi dame D7? Alors déjà, il n'est pas obligé de prendre aussi, faut dire. Mais même Il n'est il a pris dans pas la obligé partie. De prendre. Ah, il est à le fou attaqué quand même, ouais. Ouais, quand même, il hein, peu, ouais. Il va quand même, il est pas loin d'être obligé quand même. Ou alors il ils défend veulent, sa dame. ils veulent réveiller le fou. Est-ce que ce serait une bonne raison? Quel est le principe ici? Comptez bien les pièces et les pions. C'est Stopper vrai le que contre-jeu. C'est une nouvelle position. Ouais. Stopper le contre-jeu. Alors on ne sait pas qui a du contre-jeu dans cette position. Quel est le roi le plus faible? Alors c'est vrai qu'il y a un cavalier sur la troisième rangée chez les noirs. Donc ça c'est, on avait vu que c'était bien, hein, c'était fort. Après, il y a aussi un fou mais sur la sixième rangée, donc voilà, pas mal. On ne sait pas quel est le roi le plus faible, ouais. Quand même. Hein. J'avoue que le roi noir, il n'a pas l'air d'être il n'est pas au mieux, quand même. Hein. Au mieux. Hein. Alors, pour quelle raison joue dame D7? Allez, c'est le bon coup, mais pourquoi? Pion isolé échange des pièces lourdes. Bon, mais il y a beaucoup de pions isolés, là. Là, il y a plein de pions isolés, hein, dans tous les sens. Hein. C'est Forcer avoir deux pions passés liés. On a l'avantage matériel d'un pion, on force l'échange des dames. Lionel, bravo! Voilà, ça c'est le bon principe. Exactement. On a l'échange matériel, on échange les dames. Voilà, c'est un principe. Avantage Exactement. matériel. Avantage matériel, on échange les pièces. En plus, effectivement, bah, le pion passé, hein, il est encore plus fort il maintenant. Il se rapproche, oui, c'est vrai que ça réveille le fou en même temps. Ça encore réveille plus. Le fou. Donc là, il y a toutes les raisons de jouer ce coup, mais le principe. Principal, on va dire, c'est vraiment l'échange des dames pour utiliser notre pion d'avance à la fin. Hein. En plus, un pion, bah, c'est presque une dame, ce pion. Hein. Oui, un D7, là, ouais, bientôt pion transformé. D7, ouais. Au moins, je pense qu'il va gagner une pièce, ce pion, à mon avis. D'ailleurs, il a eu trop peur de ce pion, il a sacrifié sur le fou il a pour sacrifié éviter la qualité tout de suite. Du coup, ouais, il craignait peut-être du tour ouais. C1, tour C'est un tour C8. C8, ouais, le pion passé devait Ça certainement... fait peur. Ouais, beaucoup trop. Ok, on Ok. poursuit. Alors, on poursuit. Alors, voyons. Là, on peut arriver au 33e coup, à mon avis. Trait au noir ou trait au blanc? Trait au blanc. Alors, Après le coup noir. donc les noirs vont jouer le prochain coup. Oui, Voilà. donc on va le mettre. Voilà. Et que fait-on ici avec les blancs? Trait au blanc, donc si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher le coup des blancs. Ouais. Si vous êtes en replay. Donc là, vous êtes en direct. Ceux qui sont en direct. Là aussi, on a parlé de ce principe, une position particulière, hein, bien entendu. Alors, est-ce qu'on est en finale ici? On a échangé une tour et trois pièces mineures, 14 points, oui, on est en finale. Mais une finale avec les dames Avec des sur les dames, ouais, figures, quand ça peut même. être Ah chaud, hein. ouais, donc. C'est chaud, Et il n'y a pas que les dames. Si vous regardez bien, position est particulière ici. Souvenez-vous des principes. Alors, j'ai pas parlé des finales de fou couleur opposée. Dans les principes, c'est vrai que les fou couleur opposées en finale favorise favorisent les. la défense quand même. Hein. Il peut y avoir facilement des parties nulles, même avec un pion moins, même deux pions moins, des fois, il peut y avoir des nuls. Alors, il y en a plusieurs qui ont dit on garde la dame car le roi est faible. On est,
Ouais. Il y en a aussi qui veulent faire dame prend F5 suivi de tour prend D5. Ah, il y en a qui sont gourmands, hein, qui veulent gagner ce pion, hein, ils sont matérialistes. Et le problème des fous couleur opposée, hein, c'est que même si on gagne un pion, on va pas forcément gagner la partie ici. Ouais. En plus, c'est dangereux, comme on a dit, ça favorise. Alors là, il est cloué, mais attention à ce coup quand même qui risque d'arriver derrière. Là, notre roi, il peut se faire attaquer aussi. Ouais, hein. Ouais, on pourrait jouer tour D6 probablement pour éviter ça, mais c'est vrai que là, la finale n'est pas forcément... Bah, il fait quand même faire fou E4. Ouais, il peut faire d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de découverte. Heureusement intéressante. Qu'on peut essayer de sortir un peu, mais on est quand même un peu fixé, quoi. On est un petit peu bloqué avec le roi. Ouais. Ouais. Et regardez, les fous de couleur opposée, c'est spécial, on n'a pas de découverte, on ne peut rien attaquer sur blanc, hein, parce qu'on attaque sur noir. Et ouais, ouais. On ne peut pas profiter Tout... de... Tout est sur case blanche chez les noirs. Oui, il a tout sur blanc. Fou, il est serein. Le fou peut rien faire. Ouais. Et attention, parce qu'il va se décaler. Enfin, peut-être pas là, mais essayer de se décaler à un endroit pour créer des petites menaces. Ouais, donc là, c'est pas si pour sûr qu'on va gagner. Hein, là, loin de là. Donc c'est ceux qui voulaient garder les dames qui avaient raison. Voilà, on garde les dames parce que on est dans une position avec fou couleur opposée, avec les dames sur l'échiquier. Si vous vous souvenez de ce principe-là, même si c'est une position assez rare, le roi noir est beaucoup plus faible que le roi blanc quand même. Hein. Il se promène alors que le roi blanc, bon, il a quand même encore une protection avec deux pions, hein, le pion F2, pion G3. Donc le roi noir, bah, il est quand même très très mal. Ici, les blancs doivent garder les dames pour jouer pour l'attaque. Voilà, dame H4 échec. Et ensuite, on va bouger le fou en D4, voilà. C'était le meilleur coup, mais en tout cas, c'est ce qui a été joué. Bien placé. Et voilà. Et finalement, les blancs vont réussir à concrétiser sur leur roi. On peut voir la fin. Allons-y. Dame 6. Ah oui, le fou qui finalement se dit que peut-être que c'est mieux. Enfin, il sur ouais, ouais, c'était. Ouais. Ah et oui, il y a tour 1 échec peut-être. Ouais. Ouais, il empêche maintenant tour 1 et la dame qui fait la batterie avec le fou. Voilà, le fou et la dame qui font batterie, on voit le fou des noirs ne peut rien faire contre cette batterie évidemment. Donc ici, l'attaque des blancs va être extrêmement puissante. Les noirs qui vont être obligés de revenir en défense, toujours des menaces. Tour 1, apparemment il y avait aussi tour D4. Tour D4 qui était pas mal aussi. Ouais. Voilà, mais donc tour 1 ça suffisait largement. Il était... Donc on garde encore les dames à chaque fois. Hein. Donc, On garde les dames, on n'échange pas les dames. Il repropose, ouais. on refuse de nouveau. Il repart, on fait le tour. On ramène la tour dans l'attaque. Tout le monde est dans l'attaque. Et il ne peut pas survivre à cette attaque. Ouais. Ah ouais. Petite combinaison finale quand même. Ah, ça, ils auraient vu tout de suite, je peux te dire. Là, ils auraient vu. Ah direct, d'accord. Ils auraient dit, on aurait pu chercher. Ouais, c'est vrai. Parce que peut-être qu'ils commencent à être un peu en manque de tactique, mais on va leur bien en trouver une. D'accord. On va leur en trouver une tout à l'heure. Mais... Oui, voilà. Oui, il va y en avoir. L'échec double et le mat avec tour fou, qui rappelle certaines masterclass où il y avait des tableaux de mat, justement, avec ce matériel tour fou. Donc, mat que vous avez déjà vu hein, sur la chaîne. Voilà. En tout cas, voilà, ça se finit comme c'était annoncé, hein, c'est-à-dire... on attaque avec les fous de couleur opposée et les dames, et finalement, on finit par un mat. Eh oui, les blancs qui ont presque une pièce d'avance dans l'attaque ici, hein, puisque le fou noir ne peut pas défendre les cases noires. Ouais. Ok, alors... Position de pièce un peu particulière, bien entendu, hein, avec les fous de couleur opposée et la dame, mais qui peut arriver, hein. Ouais, ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté une partie. Oui. Je voulais remontrer ce matériel dont tu parlais. Ah, d'accord. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Et la partie suivante, effectivement, ce sera le 27e coup. 27, voilà. Et on va chercher pour les noirs. Attention, non. 27 pour les blancs, ça là. Ça marche. Voilà. Et on cherche pour les noirs. Ouais. Que faire avec les noirs? Que faire avec les noirs? Ah bah, ça, est-ce que, allez, je pose une question subsidiaire au chat. Est-ce que ça vous rappelle une partie célèbre d'un champion du monde dont on a parlé il n'y a pas très longtemps dans une masterclass? Allez, je me suis inspiré de cette partie. D'accord. Dans cette exactement. Okay. Bien entendu. Partie. On va voir si le chat s'en rappelle. J'étais content d'arriver à faire exactement. Exactement le plan du champion du monde. Ah, alors il y a trois champions du monde différents proposés sur le chat. Alors on espère que. Ah bon.
Ah voilà, c'est Fit Chess qui tranche. Ouais, exact. Et Yet Ruben. Capablanca. Voilà, Ruben également Comment qui ça? donne une troisième bonne réponse, Capablanca. Alors qu'il donne même l'année, Ruben, donc très fort, hein. 1914. Par contre, il n'a pas l'adversaire. Ah, c'est dommage, Ruben, t'es pas complet là. C'est Yetz l'adversaire. Ah, tu pensais à une partie Capablanca Yates, toi? Oui, c'est pas Parce que ça? bah, c'est Winter Ah, normalement. c'est Winter, ah, c'est Ouais. Winter, ah, c'est Winter, pardon. Ah Ah, oui, il y c'est. a une super partie à l'Ekin Yates, c'est vrai. Oui, ah oui, aussi, ouais. Alors, on avait parlé, tu sais pourquoi? Parce que Emmanuel Neyman, la semaine dernière, lundi de la semaine d'avant, il a fait un petit chapitre sur les bons et les mauvais clouages. Et donc, il a montré fou G5 de Winter, H6, fou H4, G5. Et de surtout pas se retrouver dans cette situation où avec le pion en F3, surtout avec le pion en Ah oui, F3, qui empêche ouais. complètement le fou de revenir. Voilà, bon, Ouais. désolé pour la parenthèse. Donc, est-ce que vous avez trouvé un coup pour les noirs? Alors, ça propose du H5, du F5. Oula, F5, c'est pas beau. On va réveiller le fou, attention, ouais. Faut pas réveiller ce Ouais, fou là. ah Il est en ouais, train de ah dormir, ouais. faut bien le laisser dormir. On a une super chaîne de pions là qui le bloque complètement, il peut pas se réveiller. Ouais. Là, on veut absolument garder la cage pour le fou, hein. On veut pas le réveiller. Et en vérité, même H5, ça peut aider le fou à se réveiller, Manuel, Ouais, parce qu'il j'imagine. peut faire H4. Ouais, H4, Ouais. et ce qui va pas finalement Il réussir va à. échanger un pion, il va réussir à enlever une défense peut-être sur Ouais, parce que si F4. on prend, il est content, et si on prend pas, c'est lui qui nous prend. Et après, ce Et après, il pion, peut attaquer le pion E5, ouais. peut-être. Ouais. Non, là, ce serait dommage. Essaye de bien garder la barricade, là. Le fou est complètement Ouais. enterré, il peut pas sortir du tout. Ah, il y a des meilleurs coups proposés là. Ça y est, ça Voilà. commence à venir. Ça commence à venir. Ouais, ça y est. Ouais. Et c'est des tacticiens, ils veulent gagner un fou. Ah, mais on va le gagner ce fou, Il n'y a tranquillement, on va prendre son même pas temps. besoin de le gagner, D'ailleurs, on n'a même pas il besoin de fait le gagner. rien. Il est déjà gagné, il est déjà gagné. Ouais, exact. On nous dit H5, H4, G4, mais et Ah F4 non, quoi. F4, Peut-être. le fou va Alors, se il réveiller, va hein, finir par se peut-être. réveiller ce fou. Là, le fou, il est. Là, ça va, le fou, Ok, maintenant, hein. peut-être il y aura fou H6, mais quand même, on cherche les ennemis quoi. Encore, on a un cavalier qui va se faire déstabiliser en plus là. Si ce pion se déstabilise. Non, non, on cherche, c'est dommage là, c'est dommage. Donc, dame B5, Ouais. bien joué. Il y en a beaucoup, Emmanuel, qui ont proposé Ouais, il y en a beaucoup qui ont trouvé dame dame B5. B5. Donc on échange les dames parce qu'on a l'avantage matériel, même virtuel, je disais, hein, parce que le fou en G3 est bloqué, il va jamais sortir. Si vous vous souvenez de cette partie de Capablanca, effectivement, le fou il est resté bloqué complètement jusqu'à la fin. Et là c'est pareil, on est exactement dans ce genre de situation. On a un fou d'avance ici avec les noirs. Donc on échange les dames. Malgré le pion de retard, hein, parce que finalement on a un pion de retard dans la position, Ah oui, c'est vrai. mais comme on a une pièce de plus virtuellement, eh ben on échange les dames parce que la pièce va nous aider à récupérer le pion, hein. Effectivement, comme le dit JP Chess, il y a la menace cavalier E2 qui oblige l'échange des dames ici de la part des blancs. Ils ont du Ouais, mal à refuser. Faudrait en tenter le plus. coup de la porte de saloon. Est-ce que tu connais la tactique de la porte de saloon, Manuel? Non, non. C'est génial, c'est Emmanuel Neyman justement qui nous a présenté ce thème tactique. Alors il l'a nommé Ah lui-même, hein. C'est un coup comme ça, par exemple, on s'autocloue pour après profiter, pour après faire une découverte très forte. Voilà. ouais. Il ferme la porte et hop, la porte revient après dans la tête de l'adversaire. Très Ah, sympa. porte de saloon. Ouais. Ah ouais, tu pourras aller voir, c'est génial, elle a montré des belles tactiques. Il aurait fallu que le pion A6 soit pas là. On joue tour C4 Ouais, et c'est qu'il est tout ça. le monde D4, En c'est fait, il ça? faudrait que ce cavalier soit en Ouais. prise. Bon, il faudrait beaucoup de choses en vérité. C'est un thème assez rare, mais que le fou Non, mais soit pas là, voilà. Et qu'après. Ça peut se faire si jamais le pion Ah A6 oui, tu n'était veux pas faire là. du tour, prends des 4. Ouais, c'est ça. C'est un peu On prend l'idée, ouais. D4. Ouais. C'est un Ouais. peu ce genre de choses, voilà. Mais il Dans faudrait jouer deux l'idée. coups de suite quand même. Ouais, non, ça fait. Voilà. Voilà. Mais dame B5, donc il y a eu échange. Et alors, tu as gagné assez Voilà. facilement cette finale avec une pièce virtuelle de plus. Eh oui, voilà, la pièce virtuelle qui va devenir une pièce d'avance Alors, il bientôt. essaye de réveiller son fou, mais on n'est pas d'accord. Voilà. Et malgré cavalier D5, on. Malgré qu'il y avait des seins et le cavalier qui est plus protégé, maintenant on peut faire F5, F4. C'est pour enterrer encore plus le fou. Alors, on fait ça seulement parce que il peut pas prendre, hein. Ah oui, bien Parce sûr. qu'il y a le Ah cavalier oui. qui est en prise. Donc seulement pour Ouais. ça, et on a l'assurance
de pouvoir L'assurance continuer. Ouais. de fermer complètement le fou. Et là, il a craqué, il l'a laissé. Bon, Il en avait ouais. marre. Il en avait ras-le-bol, il a sacrifié son Il fou. avait un ras-le-bol, ouais. Voilà. Du coup, bon, il a trois pions, mais Il suffisait pas. ça va quand même. Ouh là, le réseau de maths. Il peut être tiré de maths sympathique. Menace H5 maths, au Voilà, sage plaisir. 5. Et Homme, hop, j'ai on tiré ferme la FIA. Et là, porte. ah! Il a fait échec, mais ça changeait pas le problème, moi. Ça change rien. C'est maths quand même. Le Maths prochain. imparable. C'est Maths sympa. imparable, ouais. Sympathique de Exactement. finir cette finale par un maths. Par un petit maths imparable. Ouais. Alors, oui, si garder son fou, enfin, bon, personne n'a envie de garder ce fou. Ouais. Alors là, il est vraiment complètement enterré, ce fou. Ouais. 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 Voilà, il va Voilà, pas. et la tour qui s'active et on va finir par gagner les pions. Hein. Ouais. Y a pas de C7 ici, hein. J'imagine que Ouais, on prend les on prend cavaliers juste et même s'il récupère, et on récupère. on a un fou de plus, Ouais, quoi, c'est ça. ouais c'est ça, ouais. Bon, il aurait pu continuer plus longtemps, hein, c'est certain, mais là, le fou H2, bah, je crois pas qu'il puisse sortir vraiment là. Bon, je crois que c'est fini pour lui. Ouais, à tout. Voilà. D'ailleurs, ça vous plaît beaucoup dans le chat comme exemple. Ouais, c'était. En tout cas, c'était sympathique d'arriver à faire le même plan que Ouais, Capablanca. Hein. Ouais, mais c'est marrant parce que ouais. Emmanuel Neyman nous a montré un blitz où il l'a fait aussi. Et c'était encore mieux parce que lui, il avait un cavalier contre un fou coincé comme ça. Donc, bon, bah. Alors Ouais. que Capablanca, lui aussi avait un mauvais fou en fait. Les deux avaient un mauvais fou, mais celui de Winter Oui. était encore pire, ouais. Mais un cavalier contre le fou G3 coincé, alors Ah là, oui, alors là c'est horrible. Ouais. c'est tellement jouissif. Alors, une partie contre Yanef. On a encore des thèmes. Alors, peut-être qu'on n'a pas vu ce thème du début de partie. Oui, au Je vais dixième aller coup. Alors il faut cacher. enlever une flèche peut-être, Ouais, ouais. ouais. Effectivement. Oh, ça Ouais. allait encore à peu près. Ok, Mais on ouais. va quand même l'enlever dans le doute. Donc, c'est bien Ouais. là hein, qu'on leur fait rechercher. C'est bien là, c'est bien Je là. vais leur Donc il mettre vient de le jouer coup, le voilà. coup. Je Il vais vient de leur jouer le mettre. coup G4. On va voir la partie. Voilà. Il vient de jouer au dixième coup ici, le coup G4. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ici avec les noirs? Donc il avance son pion de deux cases ici, devant le roi. Donc il fait un coup très agressif, il aurait pu faire juste peut-être un petit roque, mais il décide de Oui. jouer G4. Et donc qu'est-ce qu'on G4 fait? exactement. Oui. Si vous regardez en différé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre la pause si vous avez besoin de temps. Ouais, Ruben qui dit c'est d'autant plus instructif que c'est des parties que tu as jouées, Manuel. Oui, c'est vrai. Alors après, il y a pas que des parties que j'ai jouées. Hein. J'ai mis, je crois, cinq Oui. parties de forts joueurs, hein, de champions du monde pratiquement, je pense. La plupart. On Ouais. va voir peut-être si on peut aller en voir une pour finir cette soirée, Oui, il y a d'ailleurs. Kasparov, il y a Smyslov, oui, il y a Höve. Ouais. C'est les champions du monde ou parmi les meilleurs joueurs du monde en tout cas. Alors, bon bah ils sont pas mal hein, parce qu'il y a plusieurs Ah, qui ils proposent. ont compris. Ouais. Ouais. Propose D5 et il y en a beaucoup qui précisent que c'est une réaction au centre. Exactement. Attaque à l'aile, réaction au centre, exactement. Principe de jeu, les blancs ont avancé sur l'aile dame, le pion. Et ben, on réagit tout de suite avec le coup central D5. Il y a quand même un petit calcul à Ouais, faire. c'est quand il fait G5. C'est quand il fait G5, le cavalier en F6 n'a pas beaucoup de cases, donc il faut trouver le prochain coup des noirs. Ah, Tristan qui proposait cavalier H5, mais on va perdre le pion D5. En plus, il y a la batterie en face de nous, là, c'est chaud le cavalier H5. Hein. Il pourrait même prendre le cavalier, en fait, je Ouais, pense. faut prendre Il d'abord serait. et Ouais, prendre et dame ensuite pion. au Et centre, ou ensuite même dame pion ça, H5. Ouais. ouais, il va gagner un pion. Ah, et un duc qui avait donné une variante. Désolé, un duc, je vais remonter le chat. Il a mis la variante en haut. Ah ouais, mais là, je sais pas où c'est. C'est trop haut pour moi. Ouais, c'est trop haut, Je ne mais vois pas comme duc, apparemment, voilà, désolé. c'est le Bon, coup ils ont qui a trouvé. été trouvé. Par Voilà, on joue. déduction, hein. Ah, il n'y a pas de choix en fait ici, Ouais, voilà. pas trop le choix. Ouais. On joue Donc D4, D4. et s'il prend le cavalier, on prend l'autre cavalier. Voilà, c'est un échange ici. On va ouvrir le jeu. Le roi blanc est au centre. Ouais, voilà. Le roi blanc est resté au centre. Il peut plus faire le petit roque là.
Il va probablement faire grand rock. Bon, la partie continue. On peut continuer d'ailleurs un tout petit peu. Attention à une flèche Ouais, peut-être au 15e d'accord, coup. ça marche. Je vais aller l'enlever immédiatement. Ouais. Je sais pas si c'est une flèche ou une couleur. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'ils aiment bien les variantes tactiques, je crois qu'il va y avoir une combinaison bientôt Ok. Ah que oui. j'ai pas vu dans la partie. Donc vous allez. Voilà, vous allez pouvoir faire mieux que Manuel. Alors accrochez-vous, Voilà, préparez-vous là, exactement. hein. Préparez-vous. On va voir s'ils sont vraiment forts, quoi. Alors, dame C2. Alors, déjà, le coup des noirs à trouver. Ici, Allez, très haut noir, à vous de très jouer. au noir, On essaie les noirs d'appliquer jouent un et jouent principe. bien. Ouais, un bon principe de jeu. Alors, Dafalgan qui demande si la règle quand on se fait attaquer sur l'aile, c'est de jouer au centre ou sur l'autre aile et pourquoi. Non, au centre, au centre. Donc, la vraie. Si on peut, c'est au centre. Si on peut pas, c'est sur l'autre aile, quoi. Si. Oui, mais le principe, le vrai principe, c'est vraiment réagir au centre pour ouvrir le jeu et activer des pièces au centre pour jouer sur l'affaiblissement qui a été joué et qui a été créé par la poussée du pion finalement. Pion G4, maintenant Ouais. c'est devenu pratiquement un affaiblissement ici avec l'ouverture du centre, mais on peut encore profiter. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Il Qu'est-ce qu'on peut faire ici avec les noirs? y en a au moins quatre qui ont proposé le Ouais. coup attendu. C'est bien, D'accord, bravo. d'accord. E4, donc on veut ouvrir effectivement. On veut Eh oui, effectivement. et en fait, s'il ferme avec D4, on va prendre le pion H2, finalement. On gagne un pion, hein. Donc, c'est quand même. Et bon, c'est vrai qu'on prend des pions devant notre roi, mais avec notre dame, on empêche aussi le roque, parce qu'on menace encore le pion en F2. Donc, et Et on veut attaque sa peut-être tour. pas Donc, donner tous ses pions. ouais, en plus, sa qualité peut-être, parce que sur tour F1, il y a fou H3 qui va arriver. Voilà. Donc, la tour est en danger ici. Hein. Ouais. Donc là, il donnerait quand même beaucoup de matériel. Donc il Voilà, on peut. prend. Voilà, il a pris. Alors, on va voir. Voilà, dame prend H2, c'est la partie. Cavalier F3 a été joué. Et là, vous allez réfléchir. Alors là, c'est pas évident. Hein. Là, il y a un coup tactique à trouver. Qui était quand même pas simple. Ouais. Allez, au noir de jouer, à vous de vous tester. Donc là, Ouais. vraiment, si, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, mais si vous regardez en replay, là, ça vaut le coup de prendre du temps, de mettre la pause et de prendre du temps pour chercher que faire avec les noirs. Ouais. Allez, mettez bien la suite, hein. C'est un coup difficile, hein. Mais en tout cas, on voit que le roi blanc est bien au centre. Ça a été bien ouvert directement dessus. Et on va continuer, on va essayer d'en profiter avec les noirs, si possible. Alors, il y a du dame prend F2, c'est un peu optimiste quand même. Ah oui, c'est effectivement. Mais. Mais il y a Il y de a un peu l'idée. d'idée. Il y a un peu d'idées, mais ouais, là c'est un peu trop optimiste, je pense. Alors, en tout cas, il y a eu beaucoup de cavalier prend E4. Bien joué. C'était Cavalier prend vrai, E4. Ouais, bravo, ouais. bravo. Ah Alors, je oui. sais pas s'ils ont tout vu, hein, mais. Ouais, je pense pas. Déjà, j'espère qu'ils ont vu que leur dame était en prise. Oui. J'espère. Bon, mais je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Voilà. Ah ouais, non, ils sont forts, ils sont forts. Alors, donc l'idée c'est de réveiller le fou. On donne la dame quand même, hein. On donne la dame, on sacrifie la dame entière. Bon, on récupère déjà un Eh oui, fou. on récupère un fou, on va Et probablement là, récupérer une tour. il doit Là, il y a choisir. deux Voilà. options. Il y a deux options. Alors, roi D1, on peut faire cavalier prend échec intermédiaire, puis piquer la tour. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, on a pris une tour, un fou et deux pions. Donc on n'a pas vraiment donné de matériel, puisque tour fou deux pions, c'est équivalent à une dame à peu près. Ok. Et on a toujours l'attaque sur le pion en E3. Et Donc on les fous sont menace pas un mal. paire de fous, le roi noir est bien protégé. Très Voilà, important. ça c'était une position. Et le cavalier va ressortir, hein, il n'est pas enfermé. Et s'il va de l'autre côté, il y aura l'échec avec le fou en H3. C'est encore pire, je pense. Et on va encore gagner quelque chose.
On va prendre une deuxième qualité. Donc là, cette fois, on aura deux tours contre et un pion contre la dame. Donc là, il y a l'avantage matériel pour les noirs. Ouais. Donc ça, Ouais, c'était la donc bonne suite. Voilà, c'était la bonne c'était suite. beau. Bien vu pour ceux qui l'ont vu. Moi, j'ai pas vu dans la Bravo. partie. T'as joué dame C7, mais t'as quand même gagné cette partie. Ouais. Il a fait une erreur après, s'il a permis Ok. de Voilà, alors, bien finir. toutes les parties qu'on regarde dans la masterclass, hein, vous pourrez les finir. On ne peut pas vous les montrer tout en entier, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais vous pourrez les finir dans la base PGN, hein, que vous aurez en téléchargement après coup, si vous voulez voir la fin des parties de manuel. Ouais, absolument. Alors peut-être qu'on avait parlé des parties de champion du monde, Oui. peut-être on essayait d'avancer dessus. Est-ce que c'est possible de voir par exemple, alors, on peut voir la partie Smyslov-Romanichine parce que c'est la position que j'ai montrée dans l'introduction, je crois. Ok. Après, c'est vrai que bon bah le coup avait été montré, mais bon, peut-être qu'ils ont oublié. Oui, ils oublient vite. Ouais, ils ont oublié. Ils ont oublié, je Non, mais c'est très pense. bien si c'est celle de l'introduction parce que ça va permettre de creuser cet exemple. Ouais, Donc, treizième cette coup. position, Voilà. que faire avec les noirs? Alors, il y en a plein aussi qui sont arrivés entre-temps, hein, donc ils ont peut-être raté l'introduction, donc ils. Ah, voilà, c'est ça. Alors, ils ont pas vu dans ce cas-là. Donc, que Ils faire n'ont avec pas les vu noirs? que faire avec les noirs ici. Donc, essayer de respecter toujours un principe. Voilà. Et pourquoi? Et puis, donc là, c'est parti du champion du monde Smyslov 1979 contre Manichin. Mais c'est Romanichine qui va gagner. Voilà, donc effectivement, ceux qui étaient là au début sont avantagés. Alors, Nils qui n'était pas là au début apparemment. Attention, Nils, si tu fais D5, tu te fais avoir tactiquement là. Cavalier prend un échec intermédiaire et hop, il encaisse au centre. Ouais, voilà, Cavalier 8 qui est beaucoup cité sur le chat, donc ça correspond au principe de ne pas échanger les pièces alors qu'on a plus d'espace. Oui, on a déjà beaucoup avancé sur l'aile dame avec le pion A4 et puis on a un pion dans le centre alors que lui non. Donc on a un Le peu avancé. pion de pointe en E5 qui va aussi nous permettre de faire le fameux duo de pion avec F5 qui va nous permettre de gagner encore plus d'espace. Hein. Donc là, on n'a pas beaucoup d'espace en plus par rapport à lui, mais après F5, on en aura Ce sera le plus. cas. Voilà, je vous rappelle que une des façons de voir si on a l'avantage d'espace, c'est de regarder le nombre de cases qu'on contrôle avec les pions dans le camp de l'adversaire. Donc ici, on en contrôle 3, A4, D4 et F4. Et les blancs n'en contrôlent que 2 avec B5 et D5. Et comme on va jouer F5 imparable, hein, on va contrôler deux nouvelles cases après. Donc là, on va amplifier l'avantage d'espace. Et donc, parmi les principes de jeu, on n'échange pas les pièces, on en retire le cavalier. Alors, on a l'impression qu'on perd du temps, hein, avec ce coup de Oui. cavalier, mais en fait, on le regagne en faisant F5, on va chasser son cavalier. Et il est plus important de conserver le cavalier, quitte à perdre un temps, que de l'échanger et de libérer un petit peu l'espace à l'adversaire. On Donc va chasser ici, sa meilleure pièce en plus, ouais. on va chasser sa meilleure pièce. On peut continuer, je Donc pense. Cette Dame E1 a partie, elle été est très jouée. intéressante. Dame E1, il veut F5. empêcher Dame H4. Voilà, F5, le duo de pions, bien entendu. Cavalier Cavalier C3. C3. Ok, il veut venir en D5, mais on Il veut l'empêche venir en maintenant. D5. On l'empêche, on revient. Fou Donc il D2. sort son fou. Alors, le prochain coup est intéressant. Je pense qu'il est tout à fait trouvable. On va essayer de le chercher. Allez, trait au noir, que faire? Trop noir. Alors, oula, G5, alors là, ça veut prendre de l'espace, là. Ah oui, le trio de pions cette fois. Oui, pardon, j'avais une remarque par rapport au pion de pointe
Manuel. On aurait pu penser que Oui. notre pion de pointe c'était A4, mais il est beaucoup trop loin Oui. du centre pour être considéré comme un pion de pointe, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est en fait ce pion A4, c'est pas un pion, c'est un pion de blocage en fait. Il vient bloquer l'aile dame, voilà, les pions, le pion B2 et le pion A3. Est très ennuyeux pour les blancs d'ailleurs, hein, parce que là, ils ne peuvent pas avancer le pion B2, donc le fou C1 est un peu bloqué. Il sert qu'à ça ce pion. Hein. C'est pas un pion, c'est pas vraiment un pion de pointe. Hein. Alors effectivement, hein, le plan de jouer B5, B4 serait pas bon ici. Hein. Ce serait non, là, ce serait pas terrible. Il faut vraiment essayer de jouer plus vers le centre. Hein. On a un pion E5 qui C'est est lui bien qui nous centralisé. C'est lui qui donne est. la direction. Il donne la direction effectivement de l'attaque avec le jeu de pion à F5. Et on va voir par la suite, hein, mais le jeu de pion, à quoi il va servir? Eh bien, on va continuer à l'avancer. Et là, on se donne le choix de l'avancer d'un côté ou de l'autre. Et en fait, dans la partie, il va avancer il va faire les deux coups. Il va Waouh. faire fois E4 Ok. et F4, vous allez voir. D'accord. Alors, en Alors, tout par cas, ils ont contre, bien trouvé, hein. Cavalier ils ont bien trouvé A5. le coup. Cavalier Ouais. A5, la case forte. Voilà, en B3, bien entendu. Pour le cavalier, le fameux cavalier sur la sixième ou la troisième rangée ici. Et là, il va l'empêcher. Il va mettre son fond D1. C'est ça. Alors, là, il a fait B6. Il a donné un pion, mais il va le récupérer Alors, assez je vais vite. enlever quelques flèches quand même, là. D'accord. Cavalier prend A4. Voilà. Ok, Ouais. je vais Ok, enlever il y a beaucoup de flèches, quelques-unes. hein. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on la regarde Donc il y a beaucoup. en entier, c'est ça, hein? Ouais, je pense que c'est là on va finir sur cette partie, à Ok, mon avis. ouais. Ouais, Je vais. ouais. Ben, il y a beaucoup de couleurs, donc ça, vous les Ah, retrouverez énorme. bien sûr dans la base PGN, hein, donc là, vous les aurez. Mais pour ce soir, on va faire un petit peu de ménage. Hop. Ouais, énormément de flèches, de couleurs. Voilà. Hop. Hop. Et puis après, vous allez pouvoir chercher les coups les plus intéressants de cette partie. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bien. On était au Ok, coup on numéro était quel? à 17, ouais. B6, ouais, c'est ça? Allez, désolé Ok. pour la petite intermède. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour la dernière ligne droite de cette masterclass. Donc, oui, Thomas nous dit partie à l'aveugle. Parti à Exactement. l'aveugle, oui, il On fallait monte enlever les flèches et les le couleurs pour niveau. Ah non, mais on peut pas monter le vous niveau et faire à donner toutes l'aveugle, plein hein. d'informations. Ah oui, c'est vrai. Alors Alors. B6 pour défendre le cavalier parce qu'il y avait la batterie dame et fou qui était en direction du cavalier. Donc là, il a pris le pion avec le cavalier et prochain coup des noirs très fort. Attention, que va-t-on faire? Là, on pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va réfléchir là, Alors, il y tout a simplement. Simon qui proposait un plan pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'il Ici. proposait Simon? Il était Ouais. un peu en Ah. avance, mais il était bien. Eh oui. Bien Sachant, vu. bien sûr, hein, Simon, que les blancs ne sont pas obligés de tout prendre. Oui. Cavalier prend C4 qui est proposé. Cavalier prend C4 qui récupère le pion, mais qui aussi échange des pièces. Donc Il n'a pas joué ça. peut-être ça simplifie un petit peu trop la situation. En tout cas, il y a eu également beaucoup de E4. Bien joué. Voilà, bien joué E4, exactement. Le duo de pions qui commence à avancer. On voit le levier explosif. Là, il va y avoir forcément un échange de pions et ça va affaiblir la structure des pions blancs. Hein, le pion E3 qui va être faible et pion C4 qui sera indéfendable, je pense. Hein. On peut plus le défendre, ce pion C4. Parce qu'il y aura le cavalier A4 attaqué. Enfin, il y a des tas de choses attaquées un peu partout. Il a essayé de ne pas prendre. Il a justement, il en a eu marre de ce cavalier A5 qui mettait la pression. Il a fait fou prend Ouais, A5. il a fait fou pour Smith A5. 9. Il veut échanger des pièces pour essayer de se libérer un peu, pour récupérer un peu d'espace. Donc la tour qui prend, bien entendu, on va pas prendre avec le pion. Le cavalier est revenu. Là, il a gagné un pion, mais on peut supposer que ce pion est Oui, les blancs fragile. vont le récupérer certainement. On voit le passage de la tour hein, qui est joli hein, avec la tour qui a pris en A5 et la tour qui va revenir au centre après. Hankscmore dans l'art de jouer les pions, il parle d'un passage en équerre de la tour qui va devant ses pions pour
revenir après tour E5, tour E1. Et là, attention, peut-être un bon coup à trouver ici pour les noirs, je pense. Même si, Alors, bon, faudrait un j'ai bon coup avec un bon plan, ouais. Voilà. un bon coup avec un bon plan, ouais. Comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours, les bons coups sont toujours suivis de bons plans. Oui. Alors, il y a beaucoup de F4 sur le chat, mais ma question Ouais. serait, qu'est-ce que... Évidemment, il va pas laisser son pion, voilà, donc il va faire E4. Donc, vous devez Il avoir va faire prévu E4. une suite sur E4. Si vous faites F4, vous avez rien prévu, bon, ça va pas du tout. Quel est l'intérêt de F4? Mettre les pions sur case noire. Ouais. Alors, c'est pas mal de vouloir mettre les pions sur case noire avec le fou de case blanche, ça c'est vrai. Avec le fou de case blanche, Mais d'accord. attention parce Ouais. qu'il met aussi lui des pions sur blanc pour essayer de gêner notre fou de case blanche par la même occasion dans cette variante. Suivi de D5 s'il ne prend pas. Et il va pousser par contre, hein. Et est-ce qu'on pourra faire Eh ben, D5? Non, a priori non. je pense pas. Hein. Non. Non, non, pas des 5. Ils Bloquer veulent les pions vraiment, ils sur veulent essayer blanc. vraiment derrière de faire ça après Ah, ils veulent F4. faire C6-D5 Ouais. après. Hein. Ils sont partis sur Clouage un peu, ouais. le duo de pions, je sais pas, le clouage. Ouais, mais non, non, là maintenant, F4, à quoi ça va servir ce coup F4 hein? Là, on passe à la concrétisation maintenant, on passe aux choses sérieuses. Alors peut-être que Ruben est... Non, c'est pas Ruben, c'est Chris, pardon, qui est un peu sur la piste parce qu'il dit on ferme le centre et après on attaque sur l'aile avec des coups comme G5. On est sur la piste, mais est-ce qu'on va vraiment faire une attaque de pion ici? Ouais, non, je crois que c'est trop compliqué pour eux là, hein, là le plan. Ah ouais, Alors en tout ouais. cas, bon, vous avez au moins trouvé le coup, mais c'est Vous avez vrai que vous trouvé le n'avez coup pas trop la F4. suite, ouais. Vous n'avez pas trop la suite. Le coup F4 qui bloque, qui fixe hein, les pions blancs de l'aile roi, qui bloque les pièces. Hein, il bloque le fou, même la dame blanche est bloquée. Maintenant, on a l'espace sur l'aile roi qui est libéré. On peut amener les pièces pour attaquer le roi. C'est pas les pions qui vont avancer cette fois. On fait pas un pion de pointe. On joue pas avec un duo de pions sur un pion de pointe en À passer F4. plutôt la tour alors et Voilà, on va passer la tour, la dame, le cavalier, le fou. Voilà, il faut faire ça dans l'ordre. Et il va trouver le bon ordre. Il alors va il replacer joue les pièces comme il faut. fou E6 d'abord Il fait d'abord fou E6, voilà, donc il pour attaque le attaquer le pion pion. C4. Bon, il prend le pion Il D prend. et maintenant il Là, enlève son il cavalier. enlève son cavalier. Voilà, donc là, il libère le passage de la dame. Il va ramener son cavalier au centre. Le fou est bien placé pour attaquer pion. L'autre veut échanger. Il veut pas, évidemment. Il garde son cavalier. Il veut surtout pas échanger les pièces. Toujours, hein, le principe de tout à l'heure, avantage d'espace. On n'échange pas les pièces. Toute la partie va faire ça. Hein. Ok. Donc là, surtout pas échanger. La dame qui revient défendre, mais voilà, le passage de la dame, il peut pas faire dame F2, on remarque, parce qu'il y a la fourchette. Dame prend F2, cavalier D3, échec. Dommage pour lui. Sinon, dame F2 aurait été un coup de défense intéressant. C'est pour ça qu'il fait fou C2 pour empêcher qu'il y ait D3, mais c'est trop tard. Ouais, il se fait Voilà, attaquer, ouais. l'attaque de pièces arrive avec tour H5. Eh Ouais, c'est marrant cette tour qui était en A8, hein, qui était tellement loin du roi blanc, oui. et qui est passée en équerre là, et qui arrive Et vous avez vu maintenant. le pion F4, c'est grâce au pion F4 hein, qu'on arrive à attaquer comme ça. Hein. Ce pion de pointe ici en F4 qui bloque toute la position des blancs. Les blancs ne peuvent pas se défendre simplement parce qu'il y a un pion en F4. Ouais. Alors il a fait Là, là, H3, il était bien obligé. ouais. La tour maintenant elle change d'objectif. Et oui, on menace le pion H3. Et il ne l'a Donc. même pas protégé parce qu'il y avait une combinaison. S'il avait Ah, bougé ok, son il a roi fait dame H3, F2. Cette fois, il il a fait. peut. Cette Ouais. fois, il protège la case du cavalier de tout à l'heure. Donc, et alors là, il n'y a pas dame prend. Si, il aurait pu. Il Il aurait pu aurait faire pu. dame prend H3, mais il a préféré, oui, il aurait pu faire ça. Il a préféré faire tour G3 avec l'idée de prendre avec le fou. Il prépare une porte de saloon, là, je peux te dire. Au moins, ouais. Non, mais ok, il menace fou prend qui est Et là, mortel. ce fou prend H3 est imparable. Ok, Ouais. tour E2, et il y a eu... Voilà. Ah oui, il a eu... Fou prend, Fou pardon, prend dame H3. Et F1. la petite combinaison peut-être à Allez, trouver aussi pour les Noirs, c'est pour allez. vous. Allez, pour Le trait au finir. Pour noir. finir. Très noir.
C'est plus facile que tout à l'heure, mais bon, il faut le voir quand même. Alors Ruben qui veut augmenter l'attaque avec tour F6 et Oui, ramener des renforts. Bon, ça va sans doute gagner, hein. on pourrait effectivement, hein, on pourrait ramener une quatrième pièce en attaque. On remarquera que quand il y a quatre pièces en attaque, souvent ça fait trop, hein, dans les parties. Mais bon, là, on va directement finir. Oui. Robouane, Ouais. exact. Xavier, Exact. Ouais. Thomas, c'est Ouais. bien joué. C'est bien joué. Saloron, voilà, ils ont vu, c'est des attaquants. Ouais. Ça y est, ils ont Bien trouvé la joué. fin. Fou prend G2 et sur tour prend G2, tour H3. Et là, je crois que pour parer le mat, il faut donner toutes les pièces, à la fois la tour et la dame Voilà. après. Et de tout Ouais, ça fait donner. trop, Donc il a donné au coup hein. d'avant, d'ailleurs, il a même pas Ouais. pris avec la Il tour. a donné tout de suite avec la dame, mais l'autre, il a même pas pris. Tour F6, c'est assez méchant. Là. C'est Là, assez il méchant, prépare le fameux coup. effectivement, Ben, c'est le plan qui était proposé tout à l'heure aussi. Hein, de, hein. Ouais. je sais plus, tout à l'heure, Thomas ou peut-être. Toujours Et ces coups en équerre, hein, la tour qui passe devant Ruben. les pions, hein, Ouais. La c'est deuxième tour, extrêmement hein, fort. deuxième tour en équerre, ça fait trop. Deuxième tour, ouais. Voilà. Donc il y a eu Voilà, 5 tours après H6 5, tour abandon. Menace H6 mat. et abandon. Ben, la smat en deux coups, ouais. Tout en un coup? Non, parce qu'il y a Alors. la case F2, mais ça fait, bon, Ah, c'est pardon, ouais, ok. pratiquement mat, Non, pratiquement menace en mat. deux coups. Ouais. Et oui, il est cloué, il est très embêté. Voilà, bon, il a abandonné. Ouais, voilà. Donc, bah, il y a encore d'autres parties à voir, hein, mais pour ceux qui apparemment vous pouvez récupérer la base PGN, donc pourrez Oui, voir donc on peut vous encore. mettre quelques parties bonus. Hein, voilà, vous aurez de quoi faire. Déjà, avec toutes celles qu'on a montrées, si vous les travaillez en entier, vous les retravaillez, etc., vous avez beaucoup de travail et on va vous en rajouter. Rajouter Eh encore ouais. des parties bonus manuelles qui vous donnent des parties supplémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin, Continuez à qui veulent travailler, travailler, qui voilà. veulent. Ouais, Et ouais, vous aurez bien sûr, comme à l'habitude aussi, au moins 4 exercices à chercher. ouais. Et même peut-être des exercices bonus pour cette dernière masterclass. Peut-être vous aurez 6 ou 8 exercices. Voilà. Ouais, je sais plus combien il y en a. Ouais. Il y en a beaucoup, donc je crois qu'il y en a. Oui, Ah bon? enfin, en tout cas, ils en auront pour leur gratuité. Voilà. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Non, oui, Emmanuel qui vous a préparé beaucoup de choses pour cette dernière masterclass. Donc, merci à toi, Emmanuel, pour toute la Mais de préparation. rien, de rien, de Donc, rien. beaucoup. Oui. Si les masterclass vous intéressent, n'hésitez pas à visiter mon site, hein, avec tous les thèmes différents de masterclass, aussi bien de stratégie, de finale, d'ouverture, de partie, de champion du monde, etc. Voilà, alors je vous mets la petite Ouais. preview, voilà, du site de Manuel, hein, et je vais vous donner l'adresse aussi. Vous allez voir, même si vous le trouvez assez facilement, hein, bien sûr, sur les moteurs de recherche. Mais on va vous donner l'adresse et ça, c'est la petite capture d'écran du site de Manuel où vous pouvez retrouver les masterclass, hein, de Manuel. Voilà, ouais, oui. Entre autres, et vous pouvez aussi, voilà, pour ceux qui veulent prendre des cours, c'est aussi par là-bas que ça se passe. La prochaine masterclass se fera le mardi. Alors, on est quel jour? On est le 8. Donc, J'ai le vu dernier mardi 26, du mois. j'ai vu 26 26 mai, mai? ouais. 26 mai, Je pense que voilà, c'est ça, ouais. dernier. Effectivement. Voilà. Prochaine Effectivement. masterclass, mardi 26 mai, ouais. Alors on Ouais. termine par un petit question-réponse. Allez. Comme à l'habitude, le dernier, voilà, du. Alors, vous inquiétez pas, hein, la fédération étudie, hein, réfléchit encore. Hein. Donc là, c'était la dernière masterclass de confinement, ça c'est sûr. Mais la fédération qui essaye toujours de vous proposer des choses, hein, vous avez vu pendant ces 2 mois tout ce qu'elle vous a proposé. Commence à réfléchir tranquillement, voilà, sur ce qu'elle pourra continuer à vous proposer par la suite. Donc pour l'instant, c'est pas encore établi, mais on espère pouvoir proposer des nouvelles choses. En tout cas, la fédération sera peut-être pas avec moi parce que j'en peux plus. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, le cycle était très 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 intéressant, très très agréable. Je suis très content de tous les intervenants, de tout ce qu'on a fait, de tout ce que vous avez dans le lien. Hein, vous avez le super lien avec toutes les masterclass. Il y en a 30 maintenant au total, hein, avec toutes celles des 2 dernières saisons plus les 16 de masterclass. Mais en tout cas, pour la suite, pour l'instant en tout cas, ce sera sans moi.
Voilà. Donc ça, c'était toutes les masterclass de confinement. Et c'est le moment de poser vos questions à Manuel. Alors, je vais préparer le petit document. Voilà, question-réponse, hein. On en est question-réponse pour bien terminer cette soirée Ouais. pendant quelques minutes. Donc c'est l'occasion, profitez de la présence du grand maître Manuel Apicella, ancien champion de France, pour lui poser des questions. Et ton site, Manuel, je vais tout de suite aller le chercher. Voilà. Alors d'ailleurs, on peut parler de ton site et on peut parler également du livre que tu as déjà publié. Donc c'était un livre qui il y a quelques années maintenant qui s'appelle Gagner contre un grand maître. Oui, C'est un livre assez original, je crois, avec C'est... on peut choisir des Oui, coups et puis exactement. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire on choisit sa propre partie. Donc il y a plusieurs coups proposés et puis on va dans les directions qui sont énoncées. On change de chapitre à chaque fois. Donc si vous vous souvenez des livres dont vous êtes le héros, voilà, c'est un peu ce principe-là. Avec une partie qu'il faut arriver à gagner, après avec des explications sur les coups, bien entendu, sur les bons et les mauvais coups. voilà, donc Et gagner voilà. contre un grand maître que vous pouvez Grand maître. trouver, qui est disponible. Et puis alors, ton prochain livre, Manuel, qui sera chez Olibris que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, puisqu'il publie beaucoup de livres en français, et qui sera sur la défense française, une de tes spécialités. Voilà, exactement. Donc, ce sera en deux tomes. Donc, le premier tome qui devrait sortir normalement cette année, j'espère. Voilà, et le deuxième tome, bah, qui arrivera après, hein, Après, forcément. c'est normal. On va pas commencer par le deuxième. Non. Donc voilà, pour les Voilà. amateurs de Ouais. défense française ou ceux qui veulent s'y mettre. Défense française que tu joues toujours, Manuel. Toujours, toujours. Ouais. Voilà. Depuis longtemps. Fidèle Fidèle, à la toujours fidèle à la défense. défense française. Alors il y a Alban qui pose une question depuis longtemps, mais Alban, tu avais une petite réponse de Hunduk tout à l'heure, mais Emmanuel, on va quand même te la poser, ça nous commence les questions-réponses. Alors que vous voyez Ouais. hein, l'adresse du site de Manuel pendant ce temps-là, manuel-apicella-échec.fr, donc Tout simplement. facile Ouais. à retenir et facile à trouver. Donc la question d'Alban, c'est comment on peut savoir si on est encore dans l'ouverture ou si on est déjà dans le milieu de partie? Bonne question, bonne question. En général, on commence le milieu de partie à partir du moment où on a fini le développement. Alors, finir le développement, comme j'ai dit au départ, c'est donc ça fait partie des principes d'ouverture d'ailleurs, hein, dans la liste qu'on a indiquée. C'est donc le développement des pièces, mais à la fin, et la protection du roi, le roque, bien entendu, mais aussi la liaison des tours. Donc, on bouge. En général, on bouge la dame, bien entendu, pour finir et pour lier les tours. Et à partir de ce moment-là, on est dans le milieu de partie. Bon, alors le milieu de partie peut commencer un peu avant, mais en général, si on veut faire la distinction entre ouverture et milieu de partie, c'est à ce moment-là La que ça liaison, arrive. voilà, les tours La reliées, liaison les des tours tours, reliées. ouais. Liaison des tours, le roi à l'abri, les pièces développées. Forcément, la liaison des tours, de Ça va toute avec façon. le roi à l'abri, normalement. Ouais. Alors, plein de questions, tu les vois Ouais. aussi en même temps, Manuel, n'hésite pas à les saisir au vol. Alors, à quel âge as-tu gagné ton premier tournoi à Lens? Je sais pas. Je me souviens pas. J'avoue. Premier tournoi à Lens. C'est vrai qu'à l'époque, c'était des parties rapides, je crois, hein, les championnats de France jeunes. Ah, en plus, Je d'accord. crois. Je crois que les championnats de France jeunes, c'était des parties d'une demi-heure, je pense. Donc, D'accord. c'était des parties rapides. Ouais, à l'époque. Ouais. Et question des parties lentes, je sais pas. Ouais. Alors, une question, bon, une question difficile de répondre, hein, de Thomas, c'est quel est l'intérêt de la défense française pour les Noirs? L'intérêt de la défense française, c'est de ne pas se faire mater tout de suite. Moi, c'est pour ça que je l'ai joué, c'est parce Ah, mais c'est déjà bien que voilà. comme. C'est déjà pratique. Au début, je jouais 4-5 et bon, et T'as eu des il y avait problèmes. trop d'attaques. Voilà, il y avait trop d'attaques pour les blancs et il dit. On m'a montré E6, on a dit tiens voilà c'est plus solide pour le roi, voilà effectivement le roi noir se fait pas attaquer tout de suite et donc ça me plaisait du coup bah, j'ai gardé hein, parce que bah, là on joue une partie finalement et on joue une partie et je pense que c'est quand même intéressant, c'est pas une ouverture si facile hein, bien entendu, mais bon comme toutes les ouvertures finalement, mais je trouve que c'est pas mal.
Alors Jean-Noël, on ne sait pas encore les thèmes hein, du 29 mai. Là, le 29 mai, c'est encore loin. Pour la dernière masterclass de la La fédération. master... Ah oui, la Ah, du fédération. 26 mai, Ouais. peut-être, tu voulais demander la tienne. Ah, Ouais. oui, la mienne, c'est sur Capablanca, champion du monde Ah bah ça tombe bien, parce qu'on a parlé de lui entre tout à l'heure. 1921 et 1927. Capablanca, Le ouais. champion du monde Capablanca. Donc on te demandait Ouais. ton ouverture préférée avec les blancs et avec les noirs. Donc avec les noirs, bon bah Avec peut-être les on noirs, c'est peut la française. citer la Avec les France. blancs, j'aime bien jouer 4 en général. Système de Londres, il y a une question sur le système de Londres. C'est intéressant, oui. C'est intéressant, le système de Londres qui a été joué par Carlsen. Hein, donc, c'est une ouverture solide, mais qui peut être assez active hein, parfois. Oui, il y avait Donc, une question sur que ouais. penses-tu de la Scandinave? Ah, c'est, voilà, je crois que vous avez votre réponse. Bah non, non, c'est jouable, hein, il n'y a pas de problème. Je pense pas que c'est la meilleure ouverture sur E4, mais c'est jouable. Hein. De temps en temps, on peut la jouer, mais je pense qu'il ne faut pas la jouer tout le temps. Ouais. D'ailleurs, Peut-être. au niveau, c'est très rare qu'il y en a qui jouent. C'est Il y en a vrai. qui le jouent, mais très rarement, vraiment, une fois de temps en temps, quoi. Carlsen a fait vraiment très rarement. Ouais. Bon, il y avait un ou deux Ouais. spécialistes, mais pas vraiment dans le top mondial. Ouais. Alors, bon, il y a beaucoup de questions en tout cas. Hein. Je pense qu'on pourrait Ouais. les prendre beaucoup. Il y a eu tout à l'heure comment s'entraîner quand on est 2000 élos, comment s'entraîner si on a 90 minutes par jour. 90 minutes par jour. Ouais, des Ouais, pour questions. travailler. Ouais, Ouais. des questions pas faciles hein, sur Ouais, l'entraînement. j'ai vu l'entraînement du calcul, alors l'entraînement de la réflexion aussi. Ce qui est intéressant, c'est se poser des positions sur l'échiquier, un vrai échiquier, hein, avec une vraie pendule d'ailleurs, se poser une position et réfléchir dessus sans bouger les pièces. Là, ça fait travailler, bon, évidemment, avec peut-être avec un livre qui pose des questions. Et là, ça fait travailler énormément le calcul, la réflexion, et puis ça met dans l'ambiance de la partie. Donc, je pense que ça peut être un bon entraînement. Oui, 90 minutes par jour, ça, c'est pas mal. Moi, je faisais ça à l'époque. Il y avait un livre, c'était sur des finales, ça s'appelait Test Your Endgame Ability. C'était sur des. Il y avait des planches de finale. En fait, il y avait 6 finales par page, et il y avait un temps limité pour les trouver. Et en fait, il fallait trouver les six positions, et donc il fallait noter à chaque fois les résultats, et ça permet de beaucoup travailler. Alors là, ça permet de travailler les finales, mais ça permet aussi de travailler le calcul, la réflexion, et ça fait progresser. Après, on peut faire ça avec évidemment des positions de milieu de partie, hein, bien entendu. Ouais, tout à fait. Mais Ouais. ça me rappelle un conseil de, je crois, de Vlad Kachev, à qui un maître ou un grand maître, je ne sais plus lequel français, qui avait raconté ça, lui disait, mais j'aimerais bien m'entraîner pour le calcul, qu'est-ce que je peux faire? Et Kachev lui avait conseillé justement ça, de prendre un vrai échiquier, de mettre la pendule et de chercher, sans bouger les pièces, Voilà, de exactement. calculer, quoi. Donc il faut juste trouver des positions, des exercices, ça peut être du milieu de jeu, ça peut être des finales finalement, Oui. et puis chercher comme ça, ouais. Tout à fait, tout à fait. Il y avait les livres de Dvoretsky qui étaient très bien pour ça. C'est un peu difficile, Ouais. mais ils étaient vraiment excellents pour travailler les milieux de partie. Ouais. Ouais. Rob One, que conseilles-tu comme livre pour un joueur à 1600 qui joue ouvert et actif? Il y a tellement de livres. Il y C'est. a beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres. Ben, moi, je conseille L'art de jouer les pions. Donc ça, c'est un Ouais, très on en bon a parlé tout à livre. l'heure, donc on peut le mettre là, Ouais, ouais. ouais. Alors c'est pas facile à lire, hein, parce qu'il y a des termes un peu Ouais. particuliers. Mélanopénie. Ouais, voilà, Le c'est ça. Ouais, copénie. le copénie, mélanopénie, les choses comme ça. Non, mais Ouais. on a utilisé quelques termes. On a parlé de la septième rangée, donc on a parlé de lampant à cette occasion. Je leur citais Lampant. le terme Ah ouais. d'ampant, ouais, l'espace qu'on a sur la. Aussi bien ils l'utilisent en horizontal qu'en vertical, d'ailleurs, je crois, le Ouais, terme de lampant. lampant. Lampant pour Ouais. une tour, ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a des termes un peu spéciaux, mais sinon c'est vraiment instructif, hein, ce livre Ouais, de très Hans très Kummer. bien. Il Voilà. faut pas hésiter. Sinon, L'art du combat aux échecs de David Bronstein sur le tournoi des candidats en 1953. Un très bon livre aussi avec des explications sur les plans, pendant le tournoi, parce que c'est un tournoi qui a duré. Il y avait 18 parties, je crois, dans le tournoi, donc qui a duré très très longtemps. Ouais, 30 rondes, je crois qu'il y avait 30 rondes.
Truc incroyable. Oui, 3... c'est ça. Ouais. Il y avait en fait, il y avait 15 joueurs, donc il faisait En 28 parties. aller-retour, ouais,28 aller-retour, parties. ouais, c'est Ouais. ça. Ah Et ouais, non, c'est. bah, c'était intéressant parce que lundi dernier, là, lundi, c'est John Capon qui était là et il disait que c'était son livre préféré et qu'il l'avait dédicacé par Bronstein. Voilà, il nous a raconté Ah ça. ouais, très bien. Donc, Exact. je montrais Ouais. la couverture. Voilà. Donc oui, les livres, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions de livres. Hein, mais maintenant, vous avez beaucoup de chance hein, parce qu'il y a énormément Oui, il y a une de livres. bibliothèque incroyable, hein, chacun. Hein, oui, non, on peut. Beaucoup de livres de stratégie, de position à réfléchir, à travailler. J'aime bien The Best Move aussi de Hort et Hansa. Ça, c'est en fait, ce sont des positions issues de leur partie et il faut trouver le meilleur coup pendant à chaque fois sur la position. Ce sont pas forcément des combinaisons, hein. Ça peut être des coups de défense, ça peut être des coups, des plans, etc. Donc ce genre de livre qui est très intéressant, où vous mettez la position et vous réfléchissez, vous prenez 20 minutes par position, 15-20 minutes par position, et réfléchissez. Donc là, ça permet de faire travailler le milieu de partie, le calcul, la réflexion, etc. Encore deux petites questions sur la française. On va bientôt terminer la séance de questions-réponses parce qu'il se fait tard. Mais donc c'est Nochat qui demande si tu connais le livre de Simon Williams sur la française. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu, non. Ok. Et alors je réponds à Dafalgan qui demandait qu'est-ce que ça donne côté blanc l'attaque est-indienne contre la française E4-E6-D3. Donc Dafalgan, si tu es intéressé, il y avait une masterclass l'année dernière sur l'attaque est-indienne. Pour les blancs, voilà, si tu veux voir un peu ce que ça donne. Emmanuel, bien sûr, il va la réfuter. Voilà. Ouais, exactement. On est des côtés différents de la barrière. Ouais. Non, mais moi j'aime bien aussi la Si. française, j'ai étudié, c'est très intéressant, ouais. Normalement, dans le premier tome, dans le livre qui devrait arriver cette année, vous aurez la réponse. Voilà, vous devez l'acheter. Sinon, Alors. j'ai fait des masterclass dessus aussi. Hein. D'accord, si vous êtes Ouais. intéressé. Bah quel tournoi à venir? Bah je suppose que c'est un peu difficile de répondre à cette question en ce moment. Ouais, c'est difficile, ouais. C'est sûr. J'ai vu qu'il y avait une question sur le championnat de France aussi, mais je pense qu'il n'aura pas lieu, donc Ouais, vous avez peut-être vu les annonces, hein, voilà. elles sont Ouais, sorties il y a quelques ouais. jours. Aussi bien Ouais. malheureusement le championnat de France adulte que le championnat de France jeune sont annulés au mois d'août, là. C'est les Parce qu'en décisions général, c'est vrai que tous les ans, je commentais le championnat de France en direct. Ouais. Ouais. En faisant des masterclass d'ailleurs sur place, mais Ouais. là cette année ce sera pas le cas. Et Bon, pour cette on année va être attend. très très particulière pour tout ce qui concerne bah, Les notamment compétitions FFE, les ouais. compétitions et les interclubs etc. Ouais. Ouais. Le top Ouais, top 12, oui, 12 aussi, et elle va être annulée, ouais. 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 Bon, ça sera reporté, hein. Tant pis, l'année Ouais. prochaine, on reprend, hein. Ce Oui, sera. on va être patient et J'espère en puis tout cas, on espère, on j'espère. espère. On espère. Bon, voilà, on a pris Ouais. beaucoup de questions. Merci à tous, hein. Ouais. Manuel, merci beaucoup Merci à vous. pour cette belle masterclass. Donc, bien sûr, vous aurez tous les liens sur la page bah, qui est en lien dans la description. Et vous aurez les exercices, les conseils à retenir, tous les principes là, que vous avez vus en introduction. Vous les aurez dans le document PDF à télécharger, le replay et puis la base en PGN pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, j'en profite hein, pour remercier tous les intervenants que je mettais tout à l'heure, qui sont venus. Et puis, je remercie aussi la fédération de sa confiance. Fait confiance pour toutes ces masterclass. Voilà, donc là, c'est un peu la fin d'un cycle. Effectivement, Thomas qui dit que je peux aller dormir maintenant, j'ai terminé mon marathon d'échecs. Ouais, alors j'ai terminé un des marathons, hein, parce qu'il y a tous les autres marathons, y compris au niveau des échecs. Hein, en ce moment, beaucoup de joueurs qui en profitent pour prendre des cours. Et ils ont bien raison, ma foi. Donc, on vous souhaite à tous du succès là, dans vos entraînements respectifs. Voilà, essayez de tirer le meilleur de toutes ces masterclass. En tout cas, profitez-en. Hein, vous avez vraiment beaucoup de matériel avec ces 30 masterclass. Et si vous en voulez encore plus, ben voilà, n'hésitez pas à aller voir le site de Manuel où il y en a une centaine. Donc là, si vous voulez travailler, hein, vous avez de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, exactement.
Merci à tous. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. Guettez bien sûr le site de la fédération hein, pour les prochaines annonces. Je crois que je ne l'ai pas cité, mais la semaine prochaine est prévu un championnat de France de blitz par Internet. Donc le week-end de la semaine prochaine. Il sera commenté d'ailleurs en direct. Et ce sera peut-être là-bas la fin de mon marathon des 2 mois parce que avec Kevin. Je pense qu'il y aura au moins Kevin au commentaire et j'y serai peut-être aussi donc, pour commenter ce championnat de France de Blitz en 3 plus 2 organisé par la fédération. Voilà, je crois que j'ai été complet. Merci à tous pour votre fidélité et votre participation sur le chat. Manuel, merci, à très bientôt.